Monsieur le Président Barthélémy, Madame la Présidente de Chambre, Monsieur le Doyen Xavier Prétot, Mesdames et Messieurs les magistrats, chers collègues, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les conservateurs de bibliothèques, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir d'introduire ce colloque qui est consacré à l'histoire de la bibliothèque de la Cour de cassation en cette année particulière qui marque, comme cela a été discuté ce matin lors de l'Assemblée générale extraordinaire, le 30e anniversaire de l'ASLAB. Déjà 30 ans que cette belle initiative a vu le jour, s'étant donné pour objectif la préservation, la restauration, la conservation et la valorisation des collections de la Cour, l'ASLAB occupe une place indéniable dans la conservation du patrimoine de notre bibliothèque et son nom, Association pour la sauvegarde des livres anciens de la bibliothèque de la Cour de cassation, est évocateur tout à la fois de la nature et de l'urgence de son indispensable action. Indispensable car, il faut le rappeler, la bibliothèque est l'un des plus anciens services de la Cour. Selon les vœux de Merlin de Douai, alors garde des Sceaux, la création d'une bibliothèque destinée à la recherche des magistrats du tribunal de cassation fut projetée dès 1796, puis réalisée 4 ans plus tard. Un lieu fut trouvé à proximité de l'ancienne grande chambre du Parlement de Paris et 20 000 ouvrages furent progressivement rassemblés à la faveur des prélèvements documentaires effectués dans la très riche bibliothèque des avocats au Parlement de Paris et dans 3 dépôts littéraires révolutionnaires. Ainsi, depuis l'an 1800 environ, la bibliothèque du tribunal de cassation, devenue Cour de cassation en 1804, n'a jamais cessé de fonctionner, ce qui ne l'a pas empêché de subir au gré des soubresauts de l'histoire des dommages malheureux, parfois irréparables. Pour exemple, le terrible incendie du Palais de Paris en 1871 durant la Commune a entraîné la perte de 30 000 volumes sur les 51 000 composant la bibliothèque. C'était évidemment une perte inestimable. D'une manière plus insidieuse, les collections de la bibliothèque ont également enduré les effets délétères de l'humidité et de l'eau liés au stockage des ouvrages les plus anciens dans les caves et sous-sols où ces ouvrages avaient été entreposés faute de place. On ne les a sortis qu'au début des années 1990. C'est dans ce contexte d'urgence et en même temps de résurgence à la Cour d'une certaine conscience patrimoniale qu'est née l'ASLAB en 1993. Je profite de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour rendre un hommage appuyé à 2 grands magistrats qui furent en quelque sorte les pères fondateurs de cette association, Pierre Drey et Pierre Truche, alors respectivement premier président et procureur général près la Cour de cassation. Sous leur impulsion, une commission spéciale de conservation et de sauvegarde du fonds ancien de la bibliothèque fut créée, de laquelle émergea l'idée de l'association. Une fois créée, l'association parvint à lever rapidement les fonds nécessaires pour mettre en œuvre un ambitieux programme de sauvegarde dont le succès est indéniable. En 30 ans, non seulement l'association a pu restaurer près de 500 ouvrages, mais elle est également parvenue à préserver et valoriser l'ensemble de son fonds patrimonial, soit près de 15 000 volumes, dont les plus anciens datent de la fin du XVe siècle. Ces résultats remarquables sont bien évidemment la résultante du volontarisme initial de Pierre Drey et de Pierre Truche. Mais ils sont également liés à l'action du premier président Guy Canivet, qui a su redonner à l'association l'énergie nécessaire à la poursuite des opérations de restauration et de valorisation patrimoniale, puis à la mobilisation sans faille de Jacques Lemontet, à qui Guy Canivet confia la présidence de l'association en 2001, auquel succéda en 2016 Maître Jean Barthélémy. Je souligne l'heureuse initiative de ce dernier d'avoir créé au sein de l'association un comité d'histoire de la Cour de cassation afin de promouvoir des travaux de recherche portant sur la juridiction à partir des riches collections de la bibliothèque et de mettre notamment en lumière les enjeux qui ont marqué l'évolution de la Cour. Éclairer le présent, anticiper l'avenir à la lumière du passé, tel est l'objectif du comité d'histoire. Il semblait donc tout à fait légitime d'articuler la cérémonie que l'ASLAB a consacrée ce matin au 30e anniversaire de sa création et l'organisation du colloque dédié cet après-midi à l'histoire, singulière et plurielle, de la bibliothèque de la Cour, considérée tant en interne que dans ses relations extérieures.
En interne, bien sûr, la bibliothèque constitue l'indispensable support documentaire pour l'ensemble des magistrats de la Cour de cassation. Sans documentation, point de pensée juridique, sans accès à la législation, sans accès à la jurisprudence, sans accès à la pluralité doctrinale, comment concevoir l'office du magistrat de cassation, qu'il s'agisse du conseiller rapporteur ou de l'avocat général ? La loi, l'arrêt, l'ouvrage juridique, l'article de doctrine sont nos instruments de travail et nos matières à penser le droit au quotidien, instruments et matières sans lesquels aucune décision ne saurait être prise, aucune solution jurisprudentielle ne saurait être sérieusement fondée. Je n'oublie pas dans la chaîne des documentaires internes la place prépondérante du service d'études, de la documentation et du rapport, le SDER, qui joue un rôle crucial au sein de la Cour, aussi bien pour la première présidence que pour l'activité des chambres. Les liens noués entre la bibliothèque et le SDER au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ne se sont jamais distendus et appellent sans doute à l'avenir de nouvelles articulations, comme le préconisent notamment les auteurs du rapport Cour de cassation 2030. À l'instar de la Cour de cassation elle-même, la bibliothèque ne saurait être un lieu fermé, coupé du monde ou des évolutions et révolutions technologiques extérieures. Au contraire, son histoire récente l'inscrit dans des logiques d'ouverture institutionnelle et d'échange documentaire, désormais incontournables à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. En 2012 et 2013, le premier président Lamonda signait les premières conventions de partenariat documentaire avec le réseau universitaire et avec le réseau culture pour le signalement des collections de la bibliothèque dans les grands catalogues nationaux, ainsi que pour la numérisation par la Bibliothèque nationale de France de certains de ses ouvrages et leur diffusion dans la bibliothèque numérique Gallica. Dans la continuité de cette logique de mise en réseau, j'ai signé il y a quelques semaines la charte d'adhésion de la Cour de cassation au plan de conservation partagée des périodiques du droit, plan copiloté par le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur et la Bibliothèque interuniversitaire CUJAS. Ainsi, la bibliothèque de la Cour de cassation participe, au niveau national, aux politiques de rationalisation des moyens de conservation et de mise à disposition des collections juridiques et judiciaires au profit de l'ensemble de la communauté des chercheurs. Au plan international, elle soutient depuis plusieurs années des opérations de dons d'ouvrages juridiques à destination des pays membres de l'Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l'usage du français, la JUCAF. De manière globale, toujours attentif au rayonnement de la Cour, nous ne manquons pas de nous appuyer sur les richesses documentaires de la bibliothèque et l'expertise de ses agents pour valoriser les activités de la Cour ou les événements qu'elle organise ou qu'elle soutient, comme par exemple la Nuit du droit, les Journées du patrimoine ou encore l'accueil des nombreuses délégations de magistrats français et étrangers tout au long de l'année. Ce colloque est une nouvelle occasion de montrer à quel point la Cour de cassation est une juridiction singulière dans le champ institutionnel français et à quel point, tout en étant soucieuse d'ouverture et de modernité, elle reste attachée à la richesse de son histoire, de sa culture et de son patrimoine. Je remercie l'ensemble des intervenants et le public présent ou distant qui est rassemblé cet après-midi pour cet après-midi d'études consacrées à l'histoire de la bibliothèque de la Cour de cassation au regard de l'évolution de la documentation juridique, titre qui augure et de riches et fructueux échanges. Sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque et je cède immédiatement la parole à Monsieur le Procureur général. Merci. Monsieur le Premier Président, Madame la Présidente de Chambre, Monsieur le Doyen, Monsieur le Président de l'Association pour la sauvegarde des livres anciens de la Bibliothèque de la Cour de cassation, cher Jean Barthélémy, Monsieur le Directeur de la Bibliothèque de la Cour, cher Philippe Galanopoulos, Mesdames et Messieurs les directeurs, conservateurs, bibliothécaires et maîtres de conférences, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Je suis ravi également d'intervenir aujourd'hui au sein de cette grande chambre de la Cour de cassation dans le cadre du colloque organisé par l'Association pour la sauvegarde des livres anciens de la bibliothèque. Un colloque marqué, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier Président, par le 30e anniversaire de cette association, qui fait honneur à la Cour en œuvrant depuis sa création
pour préserver, restaurer, conserver et valoriser les livres rares et précieux de notre bibliothèque. Et c'est vraiment une surprise, quand on arrive dans cette maison, de découvrir cette magnifique bibliothèque et de découvrir ce fonds qui, d'ailleurs, est conservé dans l'ensemble de ces murs, puisque j'ai le plaisir, moi-même, dans mon bureau, d'être entouré de manuscrits très anciens, pour certains quasiment uniques, et qui créent et qui représentent un cadre de travail absolument remarquable. Les livres y racontent, dans cette bibliothèque, la marche du monde, de notre pays et bien sûr de notre droit depuis le XVe siècle. Récits d'époque parfois révolus, ils offrent une expérience aussi passionnante qu'émouvante, celle de mesurer l'épaisseur du temps, son écoulement fait de continuité et de rupture. Les incunables et les manuscrits qui y sont conservés témoignent d'une société en perpétuel mouvement, au sein de laquelle la règle évolue sans cesse, elle aussi, au gré des valeurs et des besoins. Le droit romain, les coutumiers, le droit canon, la jurisprudence et les œuvres de codification y prennent place à travers des ouvrages qui représentent des joyaux de notre patrimoine. Des travaux de doctrine et des chefs-d'œuvre de la littérature complètent notamment ce fonds en tout point remarquable. Dans ces rangs protégés vit l'héritage d'Ésope, de Sophocle, d'Aristote, de Virgile, d'Horace, d'Ovide, de Sénèque et bien sûr celui de Justinien. On peut également y découvrir les écrits des plus grands auteurs de l'histoire de France et du monde tout entier, Rabelais, Montaigne, La Bruyère, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, je ne pourrais les citer tous. La trace laissée par ces plumes nous offre d'emprunter un chemin au temps long, celui qui donne du sens et du relief à la succession des événements. Elle forme un lien entre le passé que nous recevons en héritage et le futur que nous léguerons demain à nos successeurs. Hérités des confiscations révolutionnaires puis des acquisitions multiples, les livres anciens de la Cour de cassation sont aussi des survivants. Survivants des flammes qui ont ravagé ces murs en 1871, survivants du temps, survivants de l'oubli. Et cette survie ne doit pas qu'à leur qualité exceptionnelle. Elle est aussi l'œuvre de femmes et d'hommes qui se sont mobilisés au fil des siècles pour nous léguer ces trésors. Cette prise de parole est l'occasion de rendre un hommage appuyé à celles et ceux qui participent ou qui ont participé à cette grande aventure humaine. En y songeant, des noms illustres se succèdent, comme ceux de Pierre Truche, du premier avocat général Henri d'Ontanville, de Pierre Drey également, qui ont tant fait pour la création de la SLAB et de sa mission, et je salue d'ailleurs la présence dans cette salle de la fille du premier président Pierre Drey, Jeannine Drey, et de l'un de ses anciens collaborateurs aussi très proches, le premier président honoraire Henri-Charles Aigret. Une chaîne qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui à travers vous, monsieur le président, cher Jean Barthélémy, ou encore vous, monsieur le directeur de la bibliothèque, cher Philippe Galanopoulos. Soyez remerciés comme celles et ceux qui agissent avec vous au sein de l'association pour ce que vous faites au service de l'intérêt général et au service de notre patrimoine. L'après-midi qui s'ouvre mettra en lumière l'histoire de notre bibliothèque à travers l'évolution de la documentation juridique qui s'y trouve depuis plus de deux siècles. Une documentation dont la nature, la forme et la mise à disposition se sont enrichies au gré du temps et des moyens. Une documentation qui est amenée à évoluer encore au vu des avancées modernes. Il est certain que nos bibliothèques changent de fonction. Elles accueillent moins de personnes physiquement, puisque la consultation des ouvrages s'y fait plus exceptionnelle, compte tenu des nouveaux moyens numériques. Mais cette bibliothèque garde bien sûr une fonction absolument essentielle. Une documentation d'ailleurs que les membres du Parquet général, en premier lieu, mobilise quotidiennement pour forger les avis qu'ils présentent à la Cour. C'est dire l'importance que j'accorde aux propos qui vont suivre, dont je prendrai connaissance avec intérêt dans le compte-rendu qui en sera fait, étant retenu par un impératif cet après-midi. Là encore, porter un regard sur ce qui était hier, sur le présent et sur ce que pourrait être demain, offrira l'opportunité de prendre le recul nécessaire pour appréhender la richesse et les enjeux entourant ces ressources
et l'écrin dans lequel elles vivent au quotidien, cette bibliothèque qui nous est si chère. C'est le vœu que je forme pour vos échanges à venir de cet après-midi, et je souhaite donc que vos travaux soient le plus riches possible à l'image de notre extraordinaire fonds de la Bibliothèque de la Cour. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, je tiens à vous remercier très vivement et très sincèrement d'avoir bien voulu ouvrir ce colloque, mais aussi de l'avoir fait avec des paroles qui nous touchent profondément, pas simplement personnellement, qui nous touchent tous, et où je vois le témoignage de l'intérêt particulier que vous portez à cette association, née il y a 30 ans, de la volonté enthousiaste, extraordinairement dynamique, du Premier Président André, Monsieur le Premier Président André, et également de Monsieur le Procureur Général, puis Premier Président Pierre Truche, dont je n'évoque jamais personnellement les mémoires sans une grande émotion, je l'ai fait en d'autres circonstances d'ailleurs ici, et j'y vois donc le témoignage de cet intérêt, et c'est pour nous, pour l'ASLAB et pour son comité d'histoire aussi, la plus belle des consécrations, et je vous en suis infiniment reconnaissant. Et maintenant, je crois que vous avez un impératif que vous avez signalé tout à l'heure, et nous allons vous libérer, si je puis dire. Juste, oui, Monsieur Carvé, si vous voulez vous installer. Juste un mot. Installez-vous. Voilà, pardonnez-moi cet aparté. Voilà, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je voulais simplement dire que ce matin même, et le Premier Président, le Procureur Général ont bien voulu le rappeler, a eu lieu l'Assemblée Générale de cette ASLAB dont vous entendez peut-être parler pour la première fois, pour beaucoup d'entre vous, évidemment, et de son comité d'histoire qui a été créé en son sein. Je suis intervenu dans le cadre de cette Assemblée Générale, donc d'une association de la loi de 1901, pour évoquer l'histoire tout à fait extraordinaire et complètement méconnue de cette association de la loi de 1901 chargée de la sauvegarde au départ et depuis toujours et encore aujourd'hui de la sauvegarde de ce fonds ancien qui est apparu de façon presque miraculeuse mais grâce surtout sans miracle à l'intervention de monsieur Aigret qui l'avait signalé au Premier Président Drey, monsieur le Premier Président André, avec beaucoup d'enthousiasme, avait décidé de faire quelque chose, selon sa formule, et ce quelque chose, ça a été la création d'une association de la loi de 1901, l'ASLAB, chargée d'obtenir, de drainer des fonds privés pour la restauration d'un fonds ancien qui se trouvait enfoui dans les caves de la Cour de cassation depuis deux siècles. Voilà, dont une partie, évidemment, très grande, avait disparu pendant l'incendie de 1871, mais aussi à cause de beaucoup d'autres inconvénients. Voilà, donc j'ai fait cet historique, et vous le trouverez, je fais ma publicité, vous le trouverez sans doute dans les actes du colloque, mais comme une chose à part, parce que la SLAB, si elle a été créée, c'est précisément pour être séparée de la Cour de cassation et indépendante. Voilà, mais cela dit, vous comprenez bien qu'elle est vraiment au service du rayonnement intellectuel de la Cour, et de telle sorte qu'elle est passée d'une politique de sauvegarde, mais aussi d'exposition, de sauver et montrer, comme je disais ce matin, pour précisément que dans le public, on trouve des donateurs pour permettre cette restauration que les moyens publics ne permettent plus aujourd'hui
d'effectivement assuré. Et vous êtes les bienvenus si vous voulez venir à la SLAB, je le dis tout de suite. Voilà, merci. Merci. Je vais passer, je cède la parole à M. Carvet, M. le professeur Carvet, qui va présider ce colloque. Moi, je m'efface, bien évidemment. Et je souhaite à tous les intervenants, je remercie d'abord tous les intervenants pour leur implication. D'autant plus qu'ils vont nous donner un éclairage très particulier dans cette histoire de la bibliothèque de la Cour de cassation, et on peut dire qu'ils vont nous donner des clés de compréhension pour nous les praticiens, qui en avons bien besoin en ce qui concerne les grandes mutations de la documentation juridique des dernières décennies que nous sommes incapables, nous profanes, d'appréhender, et c'est absolument nécessaire. Et je remercie très chaleureusement, évidemment, le public présent qui est venu en nombre, et je remercie le public distant aussi, qui est, je crois, très nombreux. Merci, et je vous souhaite à tous d'excellents échanges. Madame la Présidente, Monsieur le Doyen, Monsieur l'Avocat Général honoraire, Mesdames, Messieurs les conservateurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je mesure tout à fait l'honneur que vous me faites de présider cette séance ici, dans cette bibliothèque, qui est sans nul doute un des joyaux de notre patrimoine. J'ai été chargé de vous faire un état des lieux de cette histoire des bibliothèques juridiques, privées et publiques. C'était une tâche assez difficile, mais je l'ai prise à bout de bras et je vais vous la livrer. L'histoire des bibliothèques, en dehors d'une riche bibliographie généraliste, nationale et monographique, reste totalement à construire. Les bibliothèques demeurent, sur le plan professionnel, à la marge des universités. Pour les historiens, je l'ai lu, c'est un sujet bien marginal. Même si certaines questions ont été abordées, plus particulièrement comme l'histoire des collections, des savoirs, des logiques d'organisation ou des pratiques de lecture et d'utilisation, l'histoire des bibliothèques devrait être autre chose qu'une histoire érudite, d'autant que nous sommes aujourd'hui face à une période de mutation fondamentale avec la numérisation des connaissances. Et si l'on ajoute le qualificatif de juridique, c'est le néant total, bien entendu, à l'exception de quelques réflexions éparses. Partons de l'étymologie. Le vocable bibliothèque, on le sait, est polysémique. Le bâtiment, le cadre gardien du livre, l'armoire, l'espace de conservation, d'une part, et d'autre part, le contenu privé ou public, voire mental, pour certains. Étymologiquement, le mot est emprunté du latin en 1493, signifiant « salle », voire « armoire », où sont rangés les livres, mais surtout du latin médiéval, signifiant « ensemble de livres ». Il vient aussi du grec, bien entendu, qui désigne la même chose, une case, un coffre, un lieu de dépôt de livres. La racine, teke, signifiant également, en dehors de boîte, le mot tombe, fréquent comme premier élément de composition, est issu de la racine titenai, poser, établir, fonder une thèse. C'est par conséquent et un lieu, un contenant, et son contenu, le savoir, qui permet d'avancer des idées, de débattre, d'élaborer une pensée. La bibliothèque est sans nul doute un lieu frontière, car apparaissant au croisement de toutes les disciplines. Conformément à l'étymologie du mot bibliothèque, nous examinerons dans un premier temps le contenu des bibliothèques de droit pour nous interroger dans un second temps sur le droit des bibliothèques. Le droit comme champ du savoir théorique et pratique demeure difficile à définir en soi. Je lisais récemment un des derniers articles de Paul Amselec, qu'il vient de faire paraître dans la revue juridique Thémis, Paul Amselec, philosophe du droit, et qui s'interrogeait encore « qu'est-ce qu'appelle-t-on le droit ?» dans un numéro de 2022. Ou alors un autre article que je lisais aussi dans la Cambridge Law Journal, dans le Cambridge Law Journal, qui s'interrogeait sur la mort du droit. Donc on voit cette renaissance, cette perpétuelle réflexion pour savoir ce qu'est le droit.
S'il est souvent réduit à une vaste discipline enseignée principalement à l'université et à une professionnalisation forte et croissante, il convient de l'entrevoir davantage comme une culture qui englobe des aspects précédents, bien sûr, mais s'élargit au-delà du strict cercle des juristes, car le droit n'est pas seulement l'apanage des juristes. C'est d'ailleurs à ce titre que la bibliothèque peut devenir une institution culturelle d'une communauté de citoyens beaucoup plus vaste que celle des juristes jusqu'aux citoyens auxquels s'applique la règle. Pourtant, nous sommes étonnamment surpris de trouver dans les encyclopédies juridiques elles-mêmes le vocable bibliothèque. Je citerai les deux répertoires de jurisprudence du XVIIIe et du XIXe siècle, le célèbre répertoire Guyot et celui de Merlin. Ces répertoires évoquent la bibliothèque dans une notice comme objet du droit et comme patrimoine transmissible. En réalité, il s'agissait d'évoquer l'obligation du dépôt légal et au-delà du contrôle du privilège d'impression à cette occasion et au moment de la transmission des bibliothèques privées. Quelles sont les particularités des bibliothèques de droit par rapport aux autres bibliothèques ? D'être spécialisées plutôt que généralistes, d'être en constante et régulière adaptation en fonction des transformations du droit. Par ailleurs, s'agit-il de présenter l'histoire des bibliothèques de droit existantes ou ayant existé, ou de retracer une bibliothèque juridique idéale ? Un état des lieux assez descriptif avait été dressé en 2011 par un conservateur de la bibliothèque Cujas, qui montrait essentiellement une forêt touffue de ressources documentaires en droit, composée de deux solides arbres fondateurs sur le sujet, la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque Cujas, nourrie par le dépôt légal, la plupart en accès libre, proposant une documentation actualisée avec une politique concertée de numérisation. Ces deux principales ressources étaient complétées par un réseau complexe d'une multitude de bibliothèques universitaires parisiennes et provinciales et d'un réseau non moins touffu de bibliothèques publiques à Paris et en province, ainsi que des bibliothèques des ministères, des grands corps d'État et même de bibliothèques privées avec chacune un fonds ancien comme celle-ci et une politique de numérisation plutôt concertée. Ce maillage très dense qui était présenté permettait-il une possibilité pour les chercheurs de repérer ce qui les intéresse ? Quelle cohérence dans tout cela ? Des interventions rassurantes parleront tout à l'heure de mutualisation et de concertation. Présenter un état des lieux de la recherche sur ce sujet se révèle une gageure qui nécessiterait un programme de recherche digne d'une ANR ou d'une ERC, surtout sous l'angle comparatif, et qui impose un financement ad hoc, un croisement d'approches et un travail collectif. Un contenu essentiellement juridique. Rechercher et analyser le contenu d'une bibliothèque est chose difficile, car ce dernier est évolutif dans le temps. Il faudrait être amené à traiter d'importants corpus de manuscrits et d'ouvrages publiés, d'en vérifier le récollement, de procéder à un classement par type, genre d'ouvrage, et de les comparer par rapport à un existant potentiel, de mesurer les orientations fortes, les manques criants, de mettre au jour les curiosités. Comme on a pu le lire pour commencer, le droit romain occupe encore la première place dans les bibliothèques juridiques à la fin du XVe siècle et pendant une bonne partie du XVIe siècle. Mais passe ensuite au second plan. Jean-Louis Thirault, spécialiste de la question, l'explique par des raisons qui tiennent à la fois à la persistance des traditions et à l'essor de l'humanisme. L'édition, et donc la conservation, vont dans le sens de ne retenir qu'une connaissance minimaliste et utilitariste du droit romain en France sous l'Ancien Régime. Il en est de même avec les productions de la doctrine romaniste, Barthol et Bald, et leurs disciples français traditionnalistes comme novateurs. Tout cesse à la fin du XVIe siècle, à l'exception de Cujas, en 1658. S'il continue, c'est uniquement dans la veine de son utilité pour le droit français et dans les perspectives de comparaison et d'amalgame. Le droit canonique suit la même orientation et connaît une place identique au droit romain dans les bibliothèques. La pente se révèle plus abrupte par l'influence du gallicanisme. À la fin du XVIIe siècle, le droit national acquiert une place prépondérante, particulièrement par ce qui touche le droit coutumier. Les coutumes sont éditées et commentées abondamment, on recense près de 2000 ouvrages de ce type. Cette littérature, qui est le domaine de prédilection des grands juristes, donne lieu à une littérature annexe destinée à en faciliter le maniement et la compréhension dans des sortes de bibliographies du droit. Ces ouvrages prennent le nom de « La bibliothèque ou trésor du droit français » de Laurent Bouchel, « La bibliothèque des coutumes » de Berroyer et Laurière. D'autres
proposeront l'ensemble de plusieurs coutumes sur la même aire géographique, voire des coutumes avec leurs variantes sur les territoires voisins. D'autres encore constitueront des conférences de coutumes afin de rapprocher et confronter les solutions de plusieurs coutumes. De même, pour les publications de textes législatifs, édits et ordonnances, qui, pour beaucoup d'entre eux, prennent le nom générique de code. Ils sont classés par ordre chronologique ou thématique. Ces recueils privés étaient dépourvus de caractère officiel, on peut s'en douter, et connurent de nombreux commentaires et de publications comparées. S'ajoutent les recueils de jurisprudence et dictionnaires ou les répertoires encyclopédiques et enfin les grands traités de droit. C'est grâce à ces publications croisées, selon toutes les sources, que les juristes ont cessé de penser à travers leurs sources, mais selon l'ordre juridique français. Après la Révolution, la documentation juridique va se développer de manière exponentielle. Paul Hautelet, bibliographe, juriste belge, crée avec Henri Lafontaine la classification décimale universelle. Il note que toute documentation, valant par sa valeur d'information, doit tendre vers l'idéal d'exhaustivité, d'universalité et d'accessibilité. À ces fins, il présente les trois moyens d'y parvenir. La première est de présenter de manière encyclopédique l'état du droit, auquel on trouve le défaut principal, évidemment, de le figer. Beaucoup silence, néanmoins. On peut citer Guyot, Pankouk, Merlin de Douai, Désiré Dalloz, à partir de 1824. Les buts y sont très clairs, permettre de parcourir en un clin d'œil non seulement tous les arrêts rendus sur une question, mais tous ceux qui se rapportent à une matière, de donner au lecteur la faculté de comparer les décisions qu'il aurait été obligé de compulser péniblement. L'ouvrage offre un corps complet et raisonné de la jurisprudence de manière concise. Une autre méthode repose sur la revue juridique qui prend son essor au XIXe siècle et qui relaie les nouveautés. Enfin, il est possible de recourir au répertoire bibliographique périodique international. Les bibliothèques juridiques sont surtout celles des facultés de droit, d'administration et de profession judiciaire, on l'a dit. Certaines ont disparu incendiées sous la Commune, on nous l'a rappelé, pour même cette bibliothèque, pour être reconstituée par la suite, mais elle ne fut pas la seule. Assez peu dotées au cours du XIXe siècle, les bibliothèques juridiques vont se développer assez fortement au XXe siècle, face à la masse pléthorique de publications, face aux réformes de l'enseignement, et connaissent une reconversion numérique importante relativement récemment au regard du développement d'Internet et de l'intelligence artificielle et également des bases de données professionnelles de plus en plus sophistiquées. La protection des collections nationales et municipales par le droit, comme faisant partie du domaine public, plusieurs arrêts de la Cour de cassation de la fin du XIXe siècle sont allés dans ce sens, nous amènent à réfléchir au statut juridique du livre. Grâce à l'histoire du droit, on pourrait avoir une idée approximative, mais une idée tout de même, des tendances du contenu des bibliothèques. Mais plus on se rapproche d'aujourd'hui, plus il sera difficile d'avoir un regard précis et pertinent sur les collections conservées sans se confronter au catalogue. Les lettres sur la profession d'avocat et bibliothèque choisie des livres de droit qu'il est le plus utile d'acquérir et de connaître, long titre, publié par Camus en 1775, ancien avocat et garde des archives, et membre de l'Institut par la suite, réédité par Dupin en 1818, c'est dire l'importance de cet ouvrage, sont assez évocatrices à cet égard, puisqu'elles soulignent que le vrai savoir ne consiste pas tant dans la vaste et immense lecture que dans une étude réfléchie des meilleurs ouvrages. Le point fixe de la question, avec d'ailleurs un discernement propre pour consulter les autres livres et savoir bien évidemment y trouver le point précis de la question controversée. Il ne faut pas tout lire, mais lire à bon escient et composer ainsi une bibliothèque personnelle, adéquate, où l'on rassemble les meilleurs livres dans un genre de connaissances auquel on est entièrement donné et quelques livres de choix sur les connaissances accessibles. Et Camus de préciser qu'il convient d'organiser une bibliothèque choisie, en faire un plan avec des indications bibliographiques, auteurs, titres et dates de la meilleure édition. Une bibliothèque juridique contient du droit, certes, mais dans une épaisseur historique, économique et sociale. Conserver la mémoire du droit, mais pas uniquement. Dans l'avertissement des mêmes lettres que je viens de vous citer, Camus souligne, je le cite, que souvent, rappelant les paroles de Cicéron, il arrive qu'un avocat soit chargé de plaider des causes dont la solution dépend moins de l'application des principes du droit que de la connaissance des procédés d'un art ou d'une science étranger à sa profession. L'histoire de la constitution de la bibliothèque du Conseil d'État, par exemple, est exemplaire à ce titre.
En 1798, le bibliothécaire Antoine-Alexandre Barbier fut chargé de constituer une collection de livres pour les cinq directeurs de la nation. Au début, Bonaparte, devenu premier consul, lui demanda de classer cette bibliothèque et de l'adapter aux besoins des conseillers et des auditeurs du Conseil d'État, chargés de préparer les projets de loi, de juger les cas de contentieux administratifs et de rédiger le code civil. Tâche immense. Au départ, cette bibliothèque est basée sur, comme toute bibliothèque d'après la Révolution, sur les dépouilles des plus grandes bibliothèques d'Ancien Régime. Sous le consulat, alors qu'il était le moment de préparer le code civil, les choix du bibliothécaire furent critiqués par les utilisateurs de la bibliothèque qui estimaient la bibliothèque comme étant trop d'apparat, trop érudite, pas assez pragmatique. Ils réclamèrent une liste d'ouvrages juridiques dont ils avaient besoin. Plus incriminant, puis ils se sont mis à incriminer, bien entendu, le bibliothécaire, car ils réclamèrent une bibliothèque plus généraliste à ce moment-là, qu'ils considéraient à ce moment comme trop spécialisée. Rien ne devait leur rester étranger, il convenait de déborder le droit et de couvrir tous les sujets dont les conseillers d'État pouvaient avoir besoin, comme la libre circulation des marchandises, l'instauration d'un système métrique, etc. Au point d'ailleurs que ce Conseil d'État reçut, à ce moment-là, un exemplaire du dépôt légal. Barbier se lança, en plus de la velléité de Napoléon, de constituer une mémoire juridique, historique et culturelle de l'État par une campagne de publication, dans une politique patrimoniale d'achat de manuscrits et de fonds d'archives juridiques, comme ceux que l'on connaît encore de Louis Rondonneau et l'érudit Trudaine. D'ailleurs, le contenu des bibliothèques privées de droit, souvent de juristes, mais pas que d'ailleurs, connu à l'occasion d'un inventaire après décès ou par la conservation des fonds des grands jurys dans une bibliothèque, reflète cette volonté permanente de ne pas s'intéresser uniquement au droit stricto sensu. Leurs bibliothèques personnelles sont bien plus qu'un simple miroir de l'édition juridique, selon Clément Pierre qui en a fait l'étude. On le constate également dans la bibliothèque du juriste Julien Brodeau, dont Yves Le Guillou dresse la topographie, qui ne contient qu'à peine 25% de livres juridiques. Cette recherche dans les bibliothèques personnelles, sur lesquelles il existe de nombreuses études, pourrait permettre de dresser un catalogue assez précis des travaux qui circulaient entre professionnels à la jointure de l'imprimerie, même bien au-delà par la tradition de la copie du manuscrit, et nous donne l'occasion d'estimer des filiations de pensée. Cette recherche des filiations matérielles de la littérature manuscrite, puis imprimée, se révèle d'une grande richesse, même si elle ne dit pas tout. Après le contenu, examinons désormais les normes du contenant, le droit des bibliothèques. Pour faire fonctionner une bibliothèque, les normes élaborées proviennent d'une science autorégulée dénommée bibliothéconomie. Cependant, les enjeux de la propriété intellectuelle devant l'évolution des nouvelles technologies tendent à remettre en cause l'existence même des bibliothèques comme service public. Nous examinerons ces atteintes dans un second temps. Une science normative pour gérer les bibliothèques. Pour faire fonctionner une bibliothèque, les normes élaborées proviennent de cette science autorégulée nommée bibliothéconomie, qui est un champ interdisciplinaire fondé sur diverses approches théoriques et des savoirs professionnels, incluant un ensemble de valeurs et de outils issus de la gestion, des technologies de l'information, de l'éducation, des sciences sociales et d'autres secteurs qui sont reliés aux bibliothèques, visant à faciliter l'accès aux données, aux informations, aux documents, aux connaissances, ainsi que leur organisation, leur préservation, leur médiation, dans des conditions appropriées, en vue d'améliorer la société. Il serait intéressant, en retraçant les étapes de son histoire, de relever ce système comme un ensemble de normes structurées dans le but d'un bon fonctionnement de l'institution et de ses services, mais aussi de la satisfaction de ses usagers. Les bibliothèques publiques sont gérées par des textes étatiques, des lois, des décrets sur lesquels nous pouvons revenir. Il faudrait bien entendu en faire l'historique. Les pratiques structurent les normes techniques de catalogage, d'inventaire, de classement, de rédaction des notices, et ces normes ont une histoire. Par exemple, le système dit des libraires de Paris, en usage au XVIIIe siècle dans le commerce des livres en France, et qui reprend l'organisation des connaissances en cinq grandes classes, théologie, jurisprudence, sciences et arts, histoire et belles-lettres, a souvent été modifié, tenant compte de l'évolution du savoir, des disciplines, de l'efficacité, etc. D'autant que ces transformations se sont installées au niveau de sous-catégories très nombreuses, en en créant de nouvelles, en en renommant certaines. Plusieurs exemples montrent à quel point ces normes peuvent être clivantes politiquement. Classer l'entrée hérésie avec les ouvrages de théologie protestante dans l'onglet théologie peut choquer au moment de la signature du concordat qui réglemente l'exercice des cultes.
Quand la géographie, finalement, s'est-elle distinguée de l'histoire dans une bibliothèque ? Ou classer les ouvrages à cheval entre deux catégories, comme les ouvrages dénommés à une époque d'architecture légale, par anglicisme, bien sûr ? Le système de renvoi devrait pouvoir apporter une solution provisoire à cette question. Quand les nombreuses branches du droit sont-elles apparues dans ces classifications ? Selon Antoine-Alexandre Barbier, bibliothécaire du Conseil d'État, les catalogues sont des instruments de promotion de la liberté de penser et doivent éviter de refléter des opinions intolérantes. Consulter les manuscrits de création des vedettes dans une bibliothèque est très révélateur de la malléabilité des notions juridiques, celles qui sont omises, puis qui apparaissent et sont développées, ou celles qui disparaissent par obsolescence, ou comme nous dirions aujourd'hui, car non politiquement correctes. La documentation juridique possède des spécificités particulières en plus des généralités qui s'appliquent à toutes les disciplines, en particulier le rôle des revues de jurisprudence, avec ou sans commentaires, la parution régulière de codes annotés mis à jour, les encyclopédies à feuillets mobiles, en réalité toute publication pour la pratique qui nécessite une révision fréquente au rythme des modifications de la norme. Cependant, il ne faut pas imaginer le droit comme une matière insaisissable. Le droit est glosé et évolue incessamment. Et je reprendrai l'idée qui a été donnée tout à l'heure, le temps long est également utile au droit. Je pourrais aussi vous souligner quelques, mon temps est effectivement compté, mais je voudrais vous les citer tout de même, quelques axes de recherche qui seraient très fructueux. Les archives des bibliothèques sont assurément peu étudiées. Les populations, les gestionnaires des bibliothèques, les usagers des bibliothèques mériteraient une étude de leur statut. Les budgets des bibliothèques pourrait faire l'œuvre de travaux qui serait très étonnant à découvrir, parce que les budgets, ce n'est pas uniquement l'acquisition de livres, ça peut être les donations de livres, ça peut être la participation de l'État, ça peut être l'entretien des bâtiments, des locaux, etc. L'organisation des services, services multiples, la lecture, bien sûr, le catalogage, le prêt, on en parlera tout à l'heure, la recherche. Maintenant, effectivement, les bibliothèques ont un service de recherche, l'enrichissement des collections, la labellisation, etc. Dernier point sur lequel je voudrais revenir, ces bibliothèques sont en effet, effectivement, en lisant une littérature récente, les bibliothèques sont assez menacées par la régulation, alors évidemment pas directement, mais il faut s'en méfier, menacées par la régulation du droit d'auteur. Dans les années 2000, les auteurs et éditeurs vont s'opposer aux bibliothèques dans une querelle autour de la question du prêt. On reconnaît aux bibliothèques, institutions de conservation, leur mission de diffusion culturelle et par conséquent le prêt des ouvrages aux usagers, mais les choses se gâtent avec la démultiplication des genres de médiums. Cassettes, vidéos, c'était évidemment, ça nous intéresse moins, mais néanmoins. Et la limitation du droit de prêt des bibliothèques par la directive européenne du 19 novembre 1992. Parallèlement, la question de la copie papier par les photocopieurs crispe alors les relations entre les éditeurs du secteur universitaire et les bibliothèques. La difficulté de contrôler le photocopiage et la comparaison avec le secteur de la musique favorise le compromis sur la base de la gestion collective obligatoire. C'est alors la loi du 1er janvier 1995 qui tente de réguler cette question. Les esprits se sont apaisés pendant un temps et on en s'aperçoit, dans la littérature, c'est inscrit, les bibliothèques se sont alors accaparées des questions du droit, au point que l'on parle de jurisprudence des bibliothèques en faveur des usagers. La crispation s'est alors détournée autour de deux questions. De la numérisation, se développant à outrance dans les bibliothèques qui entraient d'emblée et sans discussion sous l'emprise du droit exclusif, et de la fameuse affaire Google et de ses rebondissements, la bibliothèque numérique mondiale échappait aux institutions des bibliothèques. Le modèle défendu par Google présentait une gratuité payée par la publicité, ce qui posait alors davantage de problèmes que la numérisation étaient les ressources natives numériques. Dans ce cas, la question du droit d'auteur est centrale, ainsi que la place des bibliothèques dans le très large éventail de l'offre légale des offres numériques. Depuis 2008, des tensions surgissent entre les droits d'auteur constamment renforcés et les revendications des institutions publiques, dont les bibliothèques, dans le cadre de leur politique de service aux citoyens, d'autant que celles-ci ne peuvent trouver un équilibre face au piratage exacerbé des œuvres numériques. Une véritable guerre économique est ouverte entre une politique publique d'accès à la culture versus le droit d'auteur. Qui tiendrait dans cette confrontation le rôle du pot de terre et celui du pot de fer ? Enfin, pour conclure, après avoir lu, pratiqué bien sûr les bibliothèques en tant qu'universitaire
lu une quantité non négligeable de travaux réalisés sur les bibliothèques en général et les bibliothèques juridiques en particulier, il nous semble clair que l'avenir des bibliothèques ne peut dépendre que de plusieurs facteurs. Sur le plan politique, les bibliothèques ne peuvent atteindre un niveau suffisant de développement que si elles sont soutenues et entretenues par les pouvoirs publics sur le plan de leur organisation et de leur budget. Encore faut-il que la législation sur le droit d'auteur soit révisée, soit par le biais d'exceptions, soit par un assouplissement du type fair use américain, soit par une réforme du type licence globale ou contribution créative. Sur le plan technique, devant les transformations radicales que le domaine de l'information a connues en très peu de temps et connaît désormais dans une temporalité accélérée, je pense au web sémantique, je pense à l'intelligence artificielle, elles sont non seulement contraintes de s'adapter, et le mieux serait, me semble-t-il, en réalité, qu'elles anticipent ces transformations en étant les acteurs, les expérimentateurs, car le nouveau monde, on le sait, n'est pas absent de critiques. Instabilité des sources, intemporalité des textes par le versionning, anonymisation des auteurs. Enfin, sur le plan humain, le plus important à mon sens, nous avons noté, mais c'est peut-être effectivement le résultat du miroir déformant de l'histoire, que les principes éthiques qui les animent, le service public indéfectible de l'usager, quel qu'il soit, la défense d'un patrimoine commun, le souci de la protection, conservation du savoir, ne pourront jamais être mieux servis et défendus que par les fortes personnalités audacieuses que sont les conservateurs. Je vous remercie. Alors, je dois donc, en tant que président de séance, annoncer la prochaine communication, si je trouve mon programme. Oui, je les ai. Alors, nous allons donc maintenant entendre Philippe Galanopoulos, le directeur de cette magnifique bibliothèque, et Hervé Lesage de La Haye sur le sujet, donc un catalogue des catalogues de la bibliothèque de la Cour de cassation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais en préambule exprimer toute ma gratitude à l'égard de Monsieur le Premier Président et Monsieur le Procureur Général, ainsi que notre Président Jean Barthélémy, pour leur présence en ouverture de ce colloque et leurs propos concernant la bibliothèque et la SLAB. Remerciements que j'adresse également à la Présidente Sandrine Zientara et à mes collègues universitaires et bibliothécaires qui ont accepté de participer à ce colloque. Et puis je vous remercie tout particulièrement, Monsieur le Professeur, de nous faire l'honneur de présider cet après-midi d'échange. Donc avec mon collègue, nous avons choisi d'intervenir sur le thème... Voilà. Dernier essai. Voilà, donc en intitulant notre intervention, donc il se fera donc à deux voix, un catalogue des catalogues, nous avons voulu signifier d'emblée l'idéal que représente pour nous, bibliothécaires, un tel outil de signalement et de recherche, idéal d'un catalogue unique, parfait, reflet exact d'une collection qui contiendrait tout à la fois la bibliothèque actuelle et celles qui ont été et qui ne sont plus. Alors, autant le dire tout de suite, ce catalogue des catalogues n'existe pas, il reste à réaliser, il reste encore à étudier. Il faut également avouer que sans l'organisation de ce colloque, nous n'aurions très probablement pas initié de sitôt un projet de ce type portant sur l'inventaire des différents catalogues produits et utilisés par nos prédécesseurs, catalogues qui sont autant les vestiges que les reflets d'un état de nos fonds à un moment donné de leur histoire. Donc, dans un premier temps, mon collègue vous donnera un aperçu sommaire de la pluralité de ces catalogues. Ils seront naturellement plus longuement et précisément décrits dans la version publiée de cette conférence. J'essaierai pour ma part, et vraiment en quelques minutes, de réfléchir de manière très générale aux conséquences induites par la mutation des supports, techniques et méthodes catalographiques en matière d'accès à la documentation spécialisée et d'apport à la culture juridique. Tout le monde sait que l'arme d'une bibliothèque est un bon catalogue, déclare au XVIIe siècle le bibliothécaire Nicolas Clément. Arme, ou peut-être âme de la bibliothèque de la Cour de cassation, ces catalogues sont aussi nombreux que disparates, incomplets toujours, décrivant des bibliothèques disparues ou disparaissant faute d'avoir réussi à décrire leur objet. Je vous propose un voyage dans près de 3 siècles de catalogues, voyage qui raconte à la fois l'histoire d'une bibliothèque, l'histoire de ceux qui l'ont faite et l'histoire de leur manière de penser.
La Cour de cassation naît tribunal de cassation en 1790 et sa bibliothèque naît peu après. Ses livres proviennent massivement des confiscations révolutionnaires et leur principal contingent vient de la bibliothèque de l'Ordre des avocats au Parlement de Paris. Mais les livres qui composent cette bibliothèque de l'Ordre des avocats avaient eux-mêmes une histoire. Elle a pu naître un siècle plus tôt grâce au legs d'un avocat, Étienne Gabriot de Riparfond. Riparfond avait consacré sa vie à réunir des livres, par milliers, certains vieux de plusieurs siècles. Et son importante bibliothèque personnelle était 2 jours par semaine ouverte au public. La bibliothèque fait parfois le bibliothécaire. Non seulement Riparfond réunit des livres et les rend accessibles, mais il en établit un catalogue qui est parvenu jusqu'à nous. Manuscrit de 714 pages, de très grand format, c'est ce qu'on appelle un catalogue méthodique, classé par grand domaine du savoir. Et sa classification s'inspire de la cotation dite de Clément, nom du bibliothécaire de la Bibliothèque royale que j'ai cité en préambule. À sa mort, Étienne Gabriot de Riparfond lègue tous ses livres à l'Ordre des avocats au Parlement de Paris, ce qui permet à l'Ordre de créer sa bibliothèque qui ouvre en 1708. En 1790, l'Ordre est dissous. Les 10 000 volumes de sa bibliothèque sont saisis et 8 913 d'entre eux sont versés à la bibliothèque du tribunal de cassation. Or, 3 ans plus tôt, apparut un catalogue des livres de la bibliothèque de messieurs les avocats au Parlement de Paris en 2 volumes. D'une certaine façon, c'est le premier catalogue de notre bibliothèque. En 1800, la bibliothèque du tribunal de cassation ouvre ses portes et son premier conservateur, M. Malherbe, est nommé, rapidement remplacé par Pierre-Jean Le Breton, ancien bénédictin, qui occupe le poste pendant près de 30 ans. Le tribunal de cassation devient cour de cassation en 1804. Entre 1819 et 1829, Le Breton fait paraître un catalogue imprimé en 4 volumes de la bibliothèque de la cour. C'est à la fois le premier et le dernier catalogue imprimé de la bibliothèque de la Cour de cassation. Il suit encore une classification méthodique, ce qui entraîne là une bizarrerie. Pris par l'urgence de fournir un catalogue des fonds juridiques qui sera utile aux magistrats de la Cour, Le Breton commence par publier un tome 2 consacré à la jurisprudence, tandis que le tome 1, la théologie, paraît 5 ans plus tard. Pendant le premier siècle d'existence de la bibliothèque, la plupart des conservateurs occupent ce poste jusqu'à leur mort. C'est le cas de Pierre-Jean Le Breton, qui meurt le 21 février 1829, année où paraît le dernier volume de son catalogue. Lui succède Jean-Baptiste Théodore de Nevers, secrétaire du premier président de Sèze, devenu conservateur de la bibliothèque, poste qu'il va tenir un peu plus de 38 années. De Nevers reprend le travail de son prédécesseur. Il se fait d'abord fabriquer un exemplaire interfolié du volume 2 du catalogue de Le Breton, vous savez, ce volume 2 qui a été publié avant le premier, un exemplaire de travail où 2 pages blanches sont intercalées toutes les 2 pages imprimées. De Nevers le complète en ajoutant à la main les ouvrages entrés entre-temps dans les collections. Mais finalement, De Nevers veut être à la hauteur du travail légué par Le Breton et il entreprend l'élaboration de son propre catalogue, le catalogue raisonné de la bibliothèque de la Cour de cassation. Composé de 3 grands volumes, il n'existe qu'à l'état de manuscrit, état qui souligne peut-être que le catalogue idéal, le catalogue parfait, est un objet vivant qui ne saurait être figé par la presse de l'imprimerie. Ce document commence par une liste paradoxale qui s'intitule « Liste de quelques ouvrages qui ne se trouvent inscrits dans aucun des volumes du catalogue ». Un catalogue qui prend le soin de nommer ce que ne contient pas le catalogue. Peut-on imaginer mieux ? Cette liste mentionne par exemple la description de l'Égypte dans son édition originale dite « impériale » que nous possédons toujours. De Nevers meurt en 1867 et laisse place à Joseph-Adrien Rogron, ancien avocat au Conseil. Rogron ne laisse aucun héritage catalographique connu. Pourtant, c'est sous son mandat que la bibliothèque connaît sa transformation la plus importante. D'abord, avec le chantier de la salle de lecture que nous connaissons, conçue par l'architecte Duc, livrée le 18 juin 1868. C'est un moment clé car les fonds sont alors dispersés. Les ouvrages juridiques
sont installés en salle de lecture, tandis que les autres, théologie, sciences, histoire, sont placés dans les combles des bâtiments de façade. Or, le 24 mai 1871, les communards mettent feu à plusieurs édifices publics, dont le palais de justice. La bibliothèque comptait alors 51 000 volumes. La quasi-totalité des livres situés dans les combles sont détruits par l'incendie. Plus de 30 000 volumes disparaissent. Hasard du calendrier, le conservateur Rogron, âgé de 78 ans, meurt près d'un mois plus tard. Un catalogue nous manque et tout est dépeuplé. S'il est bien un catalogue qui mériterait d'exister un jour, ce n'est pas celui des livres qui ont échappé à l'incendie, car ces livres, pour la plupart, sont toujours là, mais le catalogue précis de tous les livres qui ont brûlé en 1871, ce qui, en s'appuyant sur les catalogues antérieurs, est loin d'être impossible, mais n'a jamais été fait. Ce que les successeurs de Rogron vont entreprendre, c'est évidemment l'inverse, refaire un catalogue des livres de la bibliothèque. Après Rogron vient Gallien, avocat, conservateur adjoint auprès de Rogron, puis conservateur lui-même, mais Gallien meurt en 1876, moins de 5 ans après sa nomination. Lui succède Gabriel Richoux, premier d'une longue lignée d'archivistes paléographes au poste de conservateur de la bibliothèque. Richoux bat des records de longévité et reste en place 39 années, et laisse lui aussi son empreinte dans la bibliothèque des catalogues de la bibliothèque. D'une part, il produit un gigantesque catalogue manuscrit en 9 volumes qui va continuer à être utilisé et complété par ses successeurs jusque dans les années 1960. Une fois encore, le catalogue suit un classement méthodique inspiré de la cotation de Clément. Il contient à la fois le fonds ancien historique datant de la création de la bibliothèque et les acquisitions courantes que Richoux puis ses successeurs intercalent comme ils peuvent au milieu du reste. D'autre part, Richoux met en place dès son arrivée en 1876 un registre qu'il dénomme assez abusivement catalogue et qui permet en fait de noter et dater l'entrée des nouveaux livres dans les collections. Il s'agit d'une adaptation toute personnelle de ce qu'on appelle dans le métier des bibliothèques un registre d'entrée inventaire. Celui de Richoux a ceci de particulier qu'il s'agit en fait d'un répertoire alphabétique classé par ordre des auteurs, avec pour chaque lettre de l'alphabet un classement chronologique par ordre d'arrivée dans les collections. En tant que catalogue, ce répertoire est donc d'un emploi pour le moins malaisé, d'autant qu'il ne donne pas la cote des ouvrages, donc n'indique pas leur localisation. Il a toutefois le mérite de nous éclairer sur tous les livres qui entrent à la bibliothèque entre 1876 et 1900. Environ 2000 ouvrages sont acquis sur la période par achat ou par don. Accaparé par le travail sur son catalogue manuscrit en 9 volumes, véritable rocher de Sisyphe, Richoux alimente en parallèle pendant 25 ans ce petit inventaire alphabétique et par là même néglige pendant un quart de siècle d'appliquer les instructions pourtant très claires publiées en 1878 pour les bibliothèques universitaires et 2 ans plus tôt pour la Bibliothèque nationale et qui imposent en principe le relevé général de tous les ouvrages dont se compose une bibliothèque et d'attribuer à chacun un numéro. En janvier 1901, Richoux met en place enfin un tel registre pour y noter tous les ouvrages entrants. Il va tenir ce registre, et ainsi que ses successeurs vont le tenir jusqu'au début du XXIe siècle. La numérotation débute à 1. Richoux décide donc que les livres déjà présents dans les collections ne seront pas inventoriés, ce qui posera toutes sortes de problèmes ultérieurement. En 1915, Gabriel Richoux est à ce jour le dernier conservateur à mourir en fonction. François Geblin, qui prend sa suite, se consacre, comme beaucoup de ses prédécesseurs, à un catalogue, mais pour la première fois, il se limite à inventorier un fonds bien spécifique, celui des manuscrits conservés par la bibliothèque, dont certains sont hérités de la bibliothèque de Riparfond. C'est un catalogue de 112 pages, imprimé en un très petit nombre d'exemplaires, qui ne sera pas diffusé au-delà de la bibliothèque de la Cour. Pendant ce temps, le registre d'inventaire, dont un second tome est commencé en janvier 1933, continue d'être alimenté et témoigne de la vie des collections. En 1944, François Geblin prend sa retraite, et si l'on en croit les informations dont nous disposons, Raymond Cazel, qui lui succède, prend l'initiative de créer pour la bibliothèque et ses lecteurs un catalogue d'un genre nouveau, un
fichier, c'est-à-dire un meuble muni de tiroirs contenant des fiches. Fichier par titre ou par auteur, il s'agit d'un catalogue des monographies usuelles situées dans la salle de lecture et non pas du fonds ancien. Ce fichier n'est pas parvenu jusqu'à nous, il a vraisemblablement été détruit au milieu des années 2000 lors de l'informatisation de la bibliothèque. Parallèlement, le registre d'inventaire, lui, est toujours alimenté avec soin. À cette époque, outre le fichier disparu, chaque ouvrage présent en salle de lecture est équipé d'une petite fiche qui est, elle, destinée à enregistrer les données de prêt, c'est-à-dire le nom de l'emprunteur, la date de prêt et de retour. Ces fiches sont encore utilisées aujourd'hui. Au début des années 90, sous l'impulsion du conservateur d'alors, Jean-Pierre Rose, un nouveau registre papier est ouvert sous l'intitulé « Registre d'inventaire des ouvrages ». Il ne remplace nullement les registres commencés sous Gabriel Richoux, qui sont toujours alimentés. Il s'agit cette fois d'établir un inventaire du fonds ancien, c'est-à-dire de tous les ouvrages antérieurs au XIXe siècle, absents à la fois des registres et du catalogue sur fiche. Et voici donc que commence pour ce fonds ancien un registre d'inventaire dont la numérotation commence à 1, parallèle donc à celle que suivent les numéros d'inventaire des acquisitions depuis 1901 et qu'on prenne qui pourra. En 1990, Annick Tillier succède à Jean-Pierre Rose et sous son mandat, deux conservatrices en chef honoraires de la Bibliothèque nationale sont recrutées en 1991, Marie-Louise Bossuat et Marie-Renée Morin, avec pour mission le catalogage complet du fonds ancien. Le chantier est considérable. Elles y travaillent pendant plusieurs années. Pour chaque ouvrage, plusieurs fiches sont créées pour alimenter les différents fichiers, auteurs, possesseurs, imprimeurs, etc. On sait qu'en novembre 1994, pas moins de 8779 unités bibliographiques ont été traitées, soit environ 55 000 fiches créées. Ce fichier du fonds ancien est donc un travail titanesque et d'une très grande précision scientifique. Il reste a priori inachevé. Après l'incendie de 1871, l'autre grande rupture dans l'histoire de cette bibliothèque est celle de l'informatisation. Au début des années 2000, il est enfin décidé de procéder à l'informatisation du catalogue, ou plutôt des catalogues de la bibliothèque. On effectue alors ce qu'on appelle une rétroconversion, les fiches qui décrivent les livres sont convertis en données numériques qui sont ensuite versées dans le logiciel de gestion de la bibliothèque. Ce catalogue informatisé est accessible à partir de 2004 sur l'intranet de la Cour de cassation. Il n'est donc pas visible par le monde entier, mais c'est pour la première fois un catalogue vivant, consultable à distance par tous les magistrats et fonctionnaires de la Cour. Le principal défaut de cette informatisation, c'est qu'elle entérine les choix ou non-choix hérités de Richoux pour le fonds ancien et une confusion entre cotes et numéros d'inventaire pour plus de 10 000 ouvrages qui n'ont donc soit pas de numéro d'inventaire ou en partage un avec un livre du 19e ou 20e siècle. Mais si je me suis autorisé un parallèle avec l'incendie de 1871, c'est surtout parce que cette rétroconversion a été suivie d'une décision radicale, celle d'éliminer physiquement le catalogue sur fiche qui existait depuis 1945. Par chance, le catalogue sur fiche décrivant, lui, le fonds ancien, celui que les deux conservatrices de la Bibliothèque nationale ont établi dans les années 90, lui échappe à la destruction. Outre ce catalogue informatisé destiné aux magistrats, les notices antérieures à 1945 sont versées dans un catalogue public consultable sur Internet qui permet aux chercheurs du monde entier d'explorer les richesses de notre fonds ancien. Il s'agit toutefois d'un catalogue mort, non destiné à être modifié, corrigé ou enrichi. À partir de 2012, sous l'impulsion de Clément Pierre, des partenariats documentaires vont accroître de façon conséquente la visibilité du fonds ancien de la bibliothèque, en versant des milliers de notices dans le catalogue collectif de France, mais aussi en permettant la numérisation et la mise en ligne sur Gallica de certaines de nos collections de périodiques ou de certains documents remarquables, entre autres le catalogue de Le Breton. Trois siècles séparent la bibliothèque rêvée par Étienne Gabriot de Riparfond, ouverte à tous, et la bibliothèque de la Cour de cassation que nous connaissons, dont le catalogue est maintenant ouvert au monde entier. Avec Philippe Granadopoulos, depuis 2015, nous sommes efforcés de poursuivre l'ouverture des collections et des services de la bibliothèque. Une nouvelle étape est franchie en 2022
avec la mise en ligne sur le web d'un catalogue unique et vivant qui permet à tous de consulter à la fois les fonds juridiques contemporains et les fonds anciens. Les notices des livres anciens sont complétées et enrichies en continu, et le travail est loin d'être terminé. L'inventaire présenté par mon collègue ne doit pas nous surprendre. La pluralité des catalogues et leur diversité matérielle ne sont en rien des spécificités propres à la bibliothèque de la Cour de cassation. Toutes les bibliothèques anciennes connaissent ce double phénomène. La pluralité des catalogues résulte de la tension constante au cours du temps entre l'idéal d'un catalogue général, rassemblant la totalité des collections d'une bibliothèque, et les réalisations effectives, celles des bibliothécaires, qui se matérialisent le plus souvent par la création de toutes sortes de catalogues particuliers. Pluralité et diversité matérielle qui renvoient en miroir à l'épineuse question du classement à adopter, entre classement méthodique et classement alphabétique, autant qu'à celle du support le plus adéquat, entre manuscrits et imprimés, entre registres et fichiers, non seulement pour l'établissement du catalogue, mais aussi pour sa mise à jour régulière. Il faut donc dissocier volumétrie des collections d'un côté et matérialité des catalogues de l'autre. Ce sont les objectifs visés et les usages qui déterminent la forme. Il y a autant de catalogues et de types de catalogues qu'il y a de projets catalographiques, de typologies documentaires, d'usages induits, de publics ciblés, de moyens alloués, de logiques de recherche, qu'elles soient perçues ou promues. C'est que le catalogue, cette liste pratique, pour reprendre l'expression d'Umberto Eco, est l'œuvre, projet et réalisation des bibliothécaires. Comment dès lors aborder l'histoire des catalogues sans évoquer l'existence de motifs aussi déterminants qu'insaisissables par les sources classiques, que sont la psychologie des bibliothécaires, leur tropisme documentaire, leurs compétences techniques, voire leur rapport à l'autorité hiérarchique ou mieux, à leurs propres exigences, rigueurs et, le cas échéant, ambitions professionnelles. Il y a chez le bibliothécaire, soyons honnêtes, une certaine obsession du catalogue parfait, voire même une folie du catalogue complet. Folie, puisque par définition, un catalogue est une dynamique et non une station. Il ne peut jamais être fini qu'inachevé. En un mot, le poids du catalogue, c'est d'abord le poids moral qui pèse sur les épaules du bibliothécaire qui en a la charge. Par ailleurs, on ne saurait omettre le fait que la mémoire du bibliothécaire supplée dans bien des cas les lacunes du catalogage. Moins le catalogue est avancé ou performant, et plus les lecteurs en appellent à la mémoire du gardien des lieux et des livres. C'est toujours le cas aujourd'hui à la Cour de cassation. Ici, comme dans bien d'autres institutions, les premiers utilisateurs du catalogue, ce sont en effet les agents de la bibliothèque, dans la mesure où le catalogue est d'abord un outil de gestion interne avant d'être un instrument de recherche au service des usagers. Après les bibliothécaires viennent sans doute les publics extérieurs, en particulier universitaires, tous ceux qui s'intéressent à notre fonds patrimonial et qui se servent de notre catalogue comme de précieux instruments de recherche de sources. Au final, ce sont les membres de la Cour de cassation qui sont probablement les derniers utilisateurs du catalogue général. Sur ce point, deux raisons doivent être mentionnées ici. D'une part, le poids du libre accès, d'autre part, celui des bases de données juridiques. Ce sont les ouvrages les plus récents qui constituent le libre accès, c'est-à-dire ceux les plus directement utiles au travail des magistrats. Les magistrats viennent librement les consulter en salle de lecture, où ils sont disposés à leur intention par travée et tablette, selon une classification méthodique par grand domaine de contentieux. Si le catalogue est aussi peu consulté par les magistrats de la Cour, c'est parce que le libre accès le rend dans la plupart des cas, sinon inutile, à tout le moins secondaire, et c'est là un phénomène ancien. Phénomène nouveau en revanche, l'importance des bases de données juridiques qui supplée et même supplante l'usage traditionnel du ou des catalogues de la bibliothèque. La recherche des magistrats se fait aujourd'hui directement sur les sites éditeurs à partir de mots-clés saisis dans un simple moteur de recherche. À quoi bon donc utiliser le catalogue si le libre accès permet de trouver le dernier traité ou manuel paru sur telle ou telle question de droit et si les bases de données juridiques offrent toute la récence et la pluralité doctrinale recherchée en seulement quelques clics? L'informatisation de la documentation a résolument changé la donne en matière de recherche juridique et contribue en même temps à faire du catalogue principalement un outil de gestion bibliothéconomique, autrement dit destiné aux seuls bibliothécaires, tout en restant un instrument de recherche utile et même indispensable aux historiens du droit et de la justice. Pour les magistrats, comme je viens de l'indiquer, d'autres biais heuristiques dominent, notamment le recours aux bibliothécaires, le butinage en salle de lecture, le libre accès, l'usage des bases de données éditeurs, la recherche tout azimut dans les moteurs de recherche web.
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les avantages et les inconvénients de l'informatisation des catalogues et la dématérialisation de la documentation en termes de sérendipité, par exemple. Je m'arrêterai davantage sur les possibilités accrues de diffusion et de partage de solutions documentaires en ligne qui nécessitent dès lors de nouveaux efforts de communication et surtout de médiation à la fois humaine et numérique. Si la mise en place des premiers catalogues collectifs date du milieu du 19e siècle, on ne peut que constater dans ce domaine les progrès considérables accomplis ces 30 dernières années. L'informatisation des catalogues, les normes de catalogage appliquées par la communauté des professionnels, sans oublier la notion d'interopérabilité entre les systèmes documentaires, permettent de fusionner les catalogues du monde entier, en totalité ou selon des choix typologiques définis, en fonction des publics visés ou d'objectifs de visibilité institutionnelle. Aussi, à cette dimension première ou horizontale de partage des notices s'ajoute aujourd'hui une dimension seconde qui est celle de la mise en ligne des documents eux-mêmes, soit autant de pas effectués vers cet idéal du catalogue des catalogues, et ce sera ma conclusion, rêve prométhéen pour les plus optimistes ou babélien pour les autres, selon lesquels tous les ouvrages seront un jour contenus dans un seul et unique catalogue, interrogeable de chez soi, à partir d'un simple moteur de recherche, et dont les documents pourraient aussitôt être consultés en ligne. Je vous remercie. Merci pour cette riche communication, surtout qu'avoir une communication sur les différents catalogues, ça donne envie. Ça donne envie, ça donne aussi envie de poser beaucoup de questions. Ça sera pour tout à l'heure. Je vais donc passer la parole tout de suite à ma collègue Viera Robelodo-Duin, qui va nous parler justement d'une des questions que j'avais évoquées, le prêt, les registres de prêt de la bibliothèque de la Cour de cassation 1890-1950, une source exploitable. Bonjour et merci beaucoup à tous. Merci surtout à Philippe. J'ai allumé celui-là. Ça ne marche pas celui-là ? Merci à Philippe Galanopoulos. On se connaît de longue date. Il a soutenu sa thèse un petit peu avant moi. On a fait notre thèse avec le même directeur dans la même fac. Donc c'était un plaisir de te retrouver ici. Et j'ai eu une commande. Et en tant qu'universitaire surchargé, on a du mal à se projeter avec des échéances. Alors, ce sera beaucoup moins bien organisé que mes collègues. Je ne suis pas spécialiste du droit, bien que j'ai fait ma thèse sur l'histoire des faillites des libraires. Donc, c'est le gag. Et la dernière fois que j'ai croisé Robert Carvet, c'était pour une histoire des faillites et suicides en chaîne des éditeurs de droit. Voilà. J'ai eu la charge d'analyser les précieux, et je suis très honorée parce que c'est une source vraiment d'une très grande richesse, les registres de prêt de la bibliothèque de la Cour de cassation. Alors voilà, en bonne historienne, je fais un plan en trois parties. Je vais faire un petit point rapide sur quel est l'état de l'art comme outil les registres de prêt. Et après, en deux points, je m'attacherai aux registres de prêt de la Cour de cassation, avec le processus que vous avez demandé à la Cour auprès d'un prestataire extérieur, et ce que ça donne techniquement. Et là, c'est rigolo parce que ça résonne avec ce que vous disiez tous. Hein. J'ai relevé à la fois, enfin, c'est assez rigolo, ce rapport au numérique, à l'informatique. Les uns les autres, vous relevez des points à la fois fantastiques et puis finalement diaboliques. Bon, en fait, c'est entre les deux, hein, comme d'habitude. Et puis, on essaiera de dégager quelques résultats très, très liminaires. J'espère pouvoir les développer pour la publication. État de l'art. Les registres de prêt sont utilisés depuis un moment quand même en histoire des bibliothèques. Et je souligne quelques publications récentes. Et en fait, c'est un domaine qui, effectivement, est aujourd'hui renouvelé par l'intérêt de l'intelligence artificielle.
Hervé était là la semaine dernière à une journée organisée à la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, et il y a beaucoup de projets en fait autour des registres de prêts. J'en souligne deux, parce que, mais il y en a plein d'autres, mais Bipulum sur la bibliothèque publique à l'époque moderne est porté par Emmanuel Chaperon, c'est une ENR qui vient d'obtenir son financement. Et puis ben, je fais la pub pour ce pour quoi je travaille, c'est un projet Collex Percé. Donc je ne sais pas si vous connaissez les Collex Percé, c'est financé à la fois par les, enfin, c'est coporté par les bibliothèques et par les enseignants-chercheurs. Donc là c'est coporté par Marie-Thérèse Petiot et moi-même. Et on a une précieuse ingénieure de recherche, Léa Périssier. Mais ce projet, et c'est pour vous dire, l'intérêt des, pour ce type de source actuellement compte 27 membres et un très grand nombre d'universitaires et de bibliothèques très différentes. Je ne fais pas le détail, mais voilà. Mais malheureusement... Monsieur Carvet soulignait l'intérêt de faire des ANR et des ERC, mais c'est le problème du financement de la recherche par, enfin, sur projet, et c'est très compliqué. On monte des projets et on a un petit financement, et puis on dépasse toujours le délai. Et c'est toujours très compliqué de le finir. Bref, qu'est-ce que Prêt 19 donc, j'avais mis le nom quelque part ici, là, projet de répertoire des emprunteurs et des titres empruntés au 19e siècle. Il s'agit en fait de numériser et de d'achetériser pardon, les registres d'emprunteurs de plusieurs bibliothèques parisiennes, d'abord. Achetériser, c'est la reconnaissance d'écriture manuscrite, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est plus l'OCR pour l'écriture imprimée, mais c'est l'HTR, Handwriting Transcription Recognition. Désolée pour mon accent anglais. Et à partir de là, de construire une base de données que l'on pourrait enrichir, et notamment pour des analyses diverses et variées dans le comité de scientifique du projet. On a des historiens des maths, on a des sociologues, donc on a tous des intérêts différents, et l'idée c'est de pouvoir mener une réflexion diverse et variée pour comprendre effectivement à la fois l'histoire matérielle du livre et la construction des savoirs, parce qu'un livre qui circule, et si vous avez encore vos fiches d'ailleurs d'emprunt, moi je vous conseille avant qu'elles disparaissent de les numériser tout de suite pour savoir comment ça circule, et peut-être d'analyser les annotations dans les livres, parce qu'effectivement il y a des chercheurs, des sociologues qui ont analysé les empreintes d'Urquhart Mémos, et ils voient comment en fait la génétique du savoir en fait. Donc c'est pas seulement l'histoire matérielle des livres. Alors, dans ces quatre bibliothèques, on a deux gros corpus principaux, c'est la BIS et la bibliothèque de l'ENS. Je vous passe les détails, mais globalement, c'est des registres d'emprunteurs. Mais à côté de ces registres d'emprunteurs, contrairement à la Cour de cassation, on a bien d'autres outils que j'aurais aimé voir dans votre bibliothèque, mais on y reviendra, notamment les index d'emprunteurs ou les mains courantes, qui permettent de confirmer la circulation du prêt, parce que on le verra tout à l'heure, mais je pense que les registres d'emprunteurs sont pas les, ça peut être des notations d'emprunt a posteriori, c'est une hypothèse. Deux autres corpus un peu plus succincts, c'est la BSG et la BULAC. Alors la BULAC c'est un corpus beaucoup plus restreint parce que c'est sur la fin du siècle, et bientôt QGIS. Non, c'est pas ça. Non, je rigole, c'est pas grave. Globalement, ce que je veux dire, c'est qu'on a un corpus énorme, c'est plus de quasiment 25 000 vues, et c'est souvent des formats divers, quelques images, pour vous montrer en fait qu'on ne peut pas entraîner l'intelligence, enfin notre IA, qui est très gentil et qui nous transmet tout, il a des modèles sur lesquels il faut qu'il s'entraîne, et c'est à chaque fois des modèles différents. Donc à chaque fois qu'on a un modèle différent, il faut qu'on ait des formulaires d'interrogation différentes et des corrections différentes. Donc je vous donne, là c'est pour l'ABIS, mais je vous ai donné les plus propres. Là on a pour l'ENS un registre de maître de conférence, et vous voyez des fois on a juste le nom de son statut, c'est-à-dire monsieur le directeur, mais heureusement grâce
aux petits onglets à droite, aux petits signets, on a le nom de l'emprunteur, etc., etc. Et là, c'est pour la bibliothèque Sainte-Geneviève. Vous voyez à gauche, en haut à gauche, un registre très raturé, mais il y en a beaucoup pour le début du 19e siècle, notamment aussi à la BIS, et parce qu'une rature vaut pour rendu. Et le problème, c'est que pour l'IA, c'est très compliqué de lire ce qu'il y a en dessous de la rature. Mais ça marche un petit peu. Hein. C'est pas complètement impossible, mais c'est très compliqué. Et l'autre problème pour la BSG, c'est qu'on a un registre en vis-à-vis avec les sorties d'un côté et les retours de l'autre. Donc ça complique le match des données. Et dernière information, alors là c'est pour la BULAC. Donc on a encore ces ratures d'une part. Et ce qui complique pour la BULAC, c'est bien sûr les titres en langues étrangères, sanskrit, etc., etc. Donc ça c'est possible, mais donc voilà, c'est pas notre corpus principal, donc je m'attarderai pas là-dessus. Alors ce projet Prêt 19, il est porté par Marie-Thérèse Petiot et moi-même, mais vraiment on a une Shiva qui s'occupe de tout en ce moment. C'est Léa Périssier, ingénieure d'études, et qui gère plusieurs tâches en même temps, à la fois après la numérisation du corpus. Elle s'attachait à la modélisation des données, à l'achetérisation des données et comment corriger. Donc elle est là pour notre pilote et c'est une grande aide. Et le problème, c'est que c'est des contrats de courte durée. Alors première tâche qu'elle a fait, c'est la modélisation des données. Vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas de grand écran. C'est bien dommage parce que c'est seuls les gens qui sont à table le voient. C'est une modélisation très complexe qui s'articule pour répondre aux besoins de l'historien autour de la vue. Et de là viennent des entités qui vont être liées à la source et d'autres qui vont être liées à leur enrichissement. Et je vous passe le détail parce que vous ne voyez pas, donc ça manque de cohérence pour vous. Mais derrière la plateforme, il y a bien sûr tout ça. Parallèlement, elle a mis en place un prototype de site développé sous Eurist. Donc Eurist, un logiciel développé par Ian Johnson de l'Université de Sydney. C'est un logiciel plutôt fait pour la prosopographie et qui est proposé pour des historiens nuls en programmation. C'est l'idée. C'est que on n'a plus besoin des ingénieurs et qu'on peut se débrouiller. Donc on voit un petit peu le résumé de l'organisation du site. Et l'objectif, c'est bien sûr le respect de la source, la transmission de la source, s'occuper des informations sur les emprunteurs pour pouvoir faire de la prosopographie et ensuite s'occuper des titres. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est permettre l'enrichissement des données. Je fais une visite rapide du site. Il n'est pas public, donc vous ne pourrez pas le voir. Ça sera pour bientôt. Là, on a une interrogation par personne. Vous voyez l'onglet en noir ici, hein, c'est les pages que je consulte. On a une interrogation par personne, avec bien sûr des données de géolocalisation. Alors, elles ne sont pas parfaites, parce que le fond de carte est un fond de carte actuel. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on tient de la source ici et les données enrichies qu'on peut ajouter. C'est des données test. Hein. On n'a pas encore importé. On peut interroger de la même façon les collectivités. On peut s'intéresser. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'emprunt. L'emprunt, parce que en fait, l'emprunt, c'est une transaction, c'est un acte de crédit, surtout dans une bibliothèque, puisque quand on prête un livre. Et c'est l'idée qu'ils reviennent. Et donc, en fait, dans les bibliothèques, notamment à la BIS ou dans les autres bibliothèques, c'est qu'il faut porter caution. Donc, on n'entre pas comme ça dans une bibliothèque. Et je pense que c'est pareil ici, puisque très peu de personnes peuvent accéder aux livres. Et puis, là, je vous ai mis juste, quand on clique sur des vues, on a donc accès à la source en question. Accès à l'exemplaire et finalement à l'œuvre.
Mais bref, tout ça se fait en plusieurs temps et nécessite d'entraîner l'IA. Et nous, on a, comme on l'a expliqué la semaine dernière devant nos collègues, ça donne lieu à plusieurs campagnes d'entraînement, ce que n'a pas fait Teclia pour vous. Mais c'est intéressant. Globalement, ce que fait Teclia, c'est que Teclia, c'est l'entreprise, le prestataire qui permet la numérisation et la transcription automatique d'écriture manuscrite. Il définit les zones et ensuite il va transformer l'écriture manuscrite en écriture numérique. Alors là, pour près 19, là c'est un registre de la BIS. Donc vous voyez, on a corrigé les zones à numériser parce que là, chaque encart vert, c'est un emprunteur différent, donc il ne fallait pas qu'il mélange les choses. Et après, bien sûr, nous, afin de lui faire corriger sa copie, on a fait des corrections manuelles, donc on avait des formulaires pour corriger les noms d'emprunteurs. Donc c'est du temps et c'est des budgets conséquents qui n'ont pas été délivrés dans le cadre de cette numérisation. Et donc j'en arrive plus précisément au registre de la Cour de cassation. Donc on suit globalement les mêmes étapes de numérisation et d'achetérisation. Et là, l'export qui a été demandé par la Cour de cassation, c'est un export, parce que je souhaitais cet export-là, hein, notamment, un export en, sous forme de données tabulaires. Quelques petits détails. Donc, le corpus se compose de 3 registres, donc ce n'est pas du tout la même ampleur que le corpus précédent. On a 3 registres d'emprunteurs entre 1893 et 1952 qui sont pré-imprimés contrairement à ce qu'on a vu précédemment, donc ça peut faciliter les choses, et pré-imprimés par 2 entreprises distinctes, PL Morin et Orlandi Frères, mais toutes les deux sont exactement de la même facture. C'est-à-dire qu'elles, vous le voyez en bas, ce sont des registres d'environ 220 pages. Chaque page est composée de 5 colonnes, nom des souscripteurs, titre sommaire des ouvrages, nombre de volumes, date du prêt, restitution, et le nombre de lignes laissées en blanc pré-imprimées, enfin avec les lignes, on compte 18 lignes par page. Donc on a un corpus... on a un corpus relativement homogène, de beaucoup moins, de moins grande ampleur que précédemment. Et je vous ai fait un petit peu le détail pour comprendre le corpus. Donc, on a 3 corpus. Le premier commence en. J'ai réussi à restituer le nom du jour grâce à Éphéméride, mais parce que je me demandais s'il y avait des emprunts le samedi et le dimanche, parce que c'était parfois ouvert très très souvent. Donc 27 janvier 93 jusqu'au 14 juin 26, 9 janvier 28 jusqu'au 5 avril 46, mais vous les aurez, vous inquiétez pas, monsieur Carvet, ailleurs, 6 avril 46, 52. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un nombre de pages numérisées globalement similaires et un nombre d'emprunts qui est compliqué à prendre en charge, en fait. Donc, d'une part, dans le premier registre, on a beaucoup de feuilles volantes. Les enregistrements sont très aléatoires selon les registres, mais je vais y revenir. Numérisation qui s'est bien comportée. Le zonage a été globalement correct, comme vous le voyez ici. Bon, alors évidemment, on a des petites pollutions, comme on le voit là, par exemple, ou en bas, l'estampillage, et ça donne lieu à des créations de lignes spécifiques, et ça fait pour nous une pollution. Cette numérisation, donc chaque page numérisée donne lieu à la création d'une page PDF et donne lieu à la création d'un tableur Excel. Donc, comme il y a 588 pages numérisées, ça fait 588 tableurs Excel. Donc, la première chose, c'était bien sûr de ne pas s'amuser à faire du copier-coller pendant 10 jours, et donc de compiler les 588 classeurs. Et le jour où j'ai réussi, j'ai mis un SMS à Philippe. J'ai réussi. Et donc là, je vous donne juste les lignes d'en-tête parce que c'est important de garder les lignes d'en-tête de chaque classeur
parce qu'en fait, ils comportent tous un nombre de colonnes variables. Donc, il faut garder quand même le lien à la source primordiale. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a essayé de nettoyer les données. Puisqu'il y a 5 colonnes, on a essayé de voir de réduire à 5 colonnes. Et ensuite, on a essayé de regarder les erreurs de l'IA. Plusieurs erreurs dans la numérisation. Qu'est-ce que j'ai vu ici? Je crois que c'est dans Lacoste. Non, je ne sais plus. Il y a plusieurs erreurs. Là, par exemple, on a des lignes en doublon. C'est notamment l'ESCO qui apparaît deux fois là. Donc, ce n'est pas Numa de Mani, hein, c'est la revue des deux mondes. Donc, vous voyez le problème de la transposition. Ici, on a des dates inscrites dans les mauvaises colonnes, tout simplement parce que le bibliothécaire était fatigué ou il les a mis. Enfin, c'était le début de l'année en même temps. Donc, il aurait dû les mettre là. Et pour nous, dans notre tableur, on ne peut pas faire de choses automatiques. Bon, bref, je ne vous passe pas en revue toutes les erreurs qui sont liées aussi à l'intelligence artificielle et la manière dont il lit, en fait. C'est-à-dire, quand il y a des noms en latin, après, il s'entraîne à lire en latin et il va transcrire en latin. Ou si on a des noms étrangers, c'est pareil. Donc, on voit que bon, ça peut jouer, quoi. Alors, quelques résultats et quelques questions et quelques hypothèses. Je ne sais pas comment mélanger les trois termes, mais en fait, tout est mélangé. Mais, donc, la première chose, c'est quelle est la taille du corpus? Alors, le problème, c'est que on a des entrées sans titre et on a des entrées multiples. Je vous l'ai montré tout à l'heure, les entrées multiples, mais enfin, c'est dans une même case, on a plusieurs noms d'auteurs ou plusieurs titres. Donc, en fait, il faut faudrait créer des lignes. Donc, une première évaluation donnait un corpus de 12 000 entrées, à peu près. Mais vous voyez, ce tableau, il a l'air idiot, hein, mais c'était un petit peu pénible. Alors après, j'ai essayé de faire un truc encore plus synthétique. Puisqu'il y a des lignes où il y a seulement un auteur. Oui, il y a un auteur, et il y a un titre. Bon, en fait, globalement, j'ai essayé d'être encore plus précise, et on a quand même, si on multiplie les entrées multiples, on a un peu plus de monde. Mais attention, donc on aura un corpus de plus ou moins 14 000 emprunts, mais par contre, là-dedans, il y a peut-être des doublons, comme on l'a vu là, le Lesco qu'on a vu tout à l'heure. Bon, à voir. Voilà ce que ça donne, une évolution. Donc le corpus, hein, je vous rappelle, 1er janvier 93 et 31 janvier 1952. Ça donne ça, par année. Alors on voit quand même déjà quand même quelques petites choses. On a des données manquantes sur une période, 28-37, on y reviendra. On a bien sûr la période des guerres avec des manques de données, enfin des données lacunaires, on va dire, à ces périodes-là. Mais si on change l'échelle à l'ordonnée, comme on dit, et qu'on opte pour une échelle logarithmique qui permet de ne pas écraser les données basses, on peut voir trois périodes. Effectivement, il y a le contexte des guerres qui joue, mais pas seulement. C'est pour ça que je vous ai mis les registres en bas. C'est que c'est beaucoup lié à la pratique des bibliothécaires. On peut décomposer en trois périodes. Période 1 et tous les 20 ans. Ce qu'on voit, c'est que la première période, les registres sont relativement bien tenus. On a une fermeture régulière en août, en septembre, ce qui fait les flèches en bas, là, si j'ose dire. C'est toujours donc une fermeture estivale. Et puis, les consultations se font plutôt à l'hiver. Donc il fait froid, peut-être que ça a conduit les magistrats à être plus en bibliothèque. Mais globalement, c'est bien tenu, c'est assez régulier. Deuxième période, 1913-1932, hein, toujours décembre. Donc là, on est en pleine période de Première Guerre mondiale. On n'a plus de fermeture estivale, elles disparaissent à partir de 1917. Les pics qui vont vers le bas, en fait, c'est parce que les registres sont très mal tenus. Il y a beaucoup d'absences, et là on le voit encore plus.
Et ce qui est assez rigolo, c'est que la mauvaise tenue des registres, elle n'est pas liée au conflit, mais plutôt c'est lié à des périodes de stabilité politique. Et on le voit, à la fin du premier registre, ça tombe. Troisième période, donc on a la même chose là, hein, sur le début de la période, donc c'est le MS-503. Et globalement, si on traçait une courbe de tendance, on a une consultation à la hausse. Et vraiment, les registres sont tenus régulièrement, sans faille. Hein, il n'y a pas un mois qui manque à partir d'octobre 38. Et on voit, septembre 39, une aberration, 143 consultations. Et pour le seul jour du 23 septembre. En fait, ce n'est pas des consultations, c'est un biais. C'est, alors, je ne l'ai pas mis là. Ouais, j'ai fini. Bientôt. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, un biais donc à la source, c'est que suite à la déclaration de guerre, ben, le 23 septembre, on envoie 143 ouvrages à Angers. Mais pas de peau, ils les font revenir le 19 avril. Alors, quelques noms, puisque vous vouliez savoir hein, qui sont les plus grands emprunteurs. J'ai fait un échantillon sur les à peu près 863 individus. Donc on voit les grands emprunteurs. Pas de surprise, ce sont des membres de la Cour de cassation, mais tous ne sont pas dans la base créée par, enfin mise en place par. J'ai un trou. Merci. La dernière question à laquelle je ne peux pas répondre, c'est la question de Philippe, parce que en fait, ça nécessite une étude sur le long terme. C'est est-ce qu'on consulte plus de périodiques? Au fil du temps, pas tant que, enfin pour l'instant, moi j'ai fait que 93-1900, donc on ne voit pas nécessairement. Par contre, ce que je voulais souligner, c'est que effectivement, certains magistrats viennent consulter des romans et aussi des revues. Donc dans les périodiques, il y a aussi des revues d'agrément, la revue des Deux Mondes, la revue de Paris, etc. etc. Et typiquement, on voit en bas M. Stefanini qui consulte le 4 mai 48, 1948, hein, la revue des Deux Mondes parue le 1er mai 48, donc trois jours après. Donc il sait que la Cour de cassation a l'abonnement et vient le consulter. Date, hypothèse, bah, plein de questions sur le statut des gens, donc prosopographie, titre emprunté, là il faut faire une analyse fine. Le problème c'est qu'il n'y a pas de balise dans la cellule titre, il n'y a pas de balise qui permettrait de faire des séparations auteur-titre et après d'aller interroger le sudoc ou autre. Donc là il y a un vrai problème. Et après les retours, la date des retours n'est au début pas du tout marquée. On met rendu ou perdu, mais c'est très rare perdu, mais c'est rendu. Et la date du retour n'apparaît qu'après dans le premier volume. Mais voilà. Merci. Donc, on va faire une petite inversion, on ne fait pas la pause tout de suite. On va laisser la parole à Sandrine Zientalara, la présidente, qui va nous parler du service de la documentation, de l'étude et du rapport de la Cour de cassation, SDER, et l'exploitation des ressources documentaires de la bibliothèque, avant de faire la pause et les questions du public. À toutes et à tous. En premier lieu, je souhaite remercier les organisateurs de ce colloque et tout particulièrement M. Philippe Galanopoulos de me donner cette occasion de présenter le service de la documentation des études et du rapport
qui, au sein de cette cour, intervient à la fois comme utilisateur de la bibliothèque et producteur de documentation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais retracer à très grands traits les principales étapes de l'histoire de ce service. D'une part, parce que ce colloque a une vocation historique, bien entendu. D'autre part aussi, parce que ce service a connu des transformations majeures dont il faut prendre l'exacte mesure pour saisir les enjeux d'aujourd'hui et ceux de demain. Il est usuel de faire de la loi du 23 juillet 1947 l'acte de naissance du SDER, du Service de documentation des études et du rapport de la Cour de cassation. Cette loi, en effet, a créé un fichier central officiel de la jurisprudence de la Cour. Cette création répondait alors certainement à la nécessité pour les magistrats des différentes formations de la Cour d'être informés rapidement des précédents de la jurisprudence des autres formations de la Cour, afin notamment d'éviter des divergences de jurisprudence. En effet, alors qu'il n'y a eu longtemps que deux chambres, deux sections à la Cour de cassation, la section civile et la section criminelle, la chambre sociale venait à ce moment-là d'être créée quelques années auparavant par la loi du 17 juin 1938 et la chambre commerciale était créée par cette même loi du 23 juillet 1947. Le service avait en charge, outre la tenue de ce fichier, la publication des bulletins civils et pénals. Depuis la loi du 4 août 1956, ce fichier a été transformé en service de documentation et d'études de la Cour de cassation. La loi du 4 août 1956 a rattaché à la Cour de cassation le fichier central de jurisprudence des cours et tribunaux, qui est en quelque sorte l'ancêtre de Jurica, et où l'on voit que le fait que la Cour s'intéresse à la jurisprudence des premiers juges est en réalité tout à fait ancien. Le service a ensuite conservé cette appellation dans le décret du 22 décembre 1967, puis dans le COJ, et c'est toujours l'appellation qui figure dans le COJ jusqu'à aujourd'hui, service de documentation et des études. Alors depuis 2009, on parle du service de la documentation des études et du rapport, car à compter de 2009, le service est vu aussi confier la réalisation du rapport, mais c'est là une appellation qu'on pourrait qualifier de vernaculaire, ça n'est pas du tout l'appellation qui figure dans les textes. Depuis l'origine et jusqu'à aujourd'hui, le service a toujours été placé sous l'autorité du premier président. Avant qu'il ne soit dirigé par un président de chambre à la Cour, il était tenu par trois substituts à sa création. Et puis ensuite, il a été dirigé par un conseiller qui était désigné par le premier président après avis du procureur général. Depuis sa création, le service s'est considérablement étoffé puisqu'il est composé, je rappelle qu'au début c'était de trois personnes, trois substituts, aujourd'hui il est composé de 87 personnes, dont 50% de contractuels, beaucoup de stagiaires, de juristes assistants, d'assistants de justice et un certain nombre d'ingénieurs spécialistes de la data pour le laboratoire d'innovation. Alors ce développement tout à fait extraordinaire du service s'explique bien sûr parce que ses missions se sont accrues depuis 1947 et évidemment considérablement renouvelées. Les missions traditionnelles du SDER, essentielles au fonctionnement de la Cour, sont définies par le COJ et s'organisent, le Code de l'organisation judiciaire, et s'organisent en deux pôles, deux grandes catégories. Il y a les missions d'aide à la décision des magistrats et les missions de diffusion et de valorisation de la jurisprudence, et cela correspond aux deux pôles qui constituent le service, le pôle des études et de la recherche et le pôle de la diffusion de la jurisprudence. Sont venues ensuite s'ajouter à ces missions nouvelles, des missions nouvelles
au premier rang desquels la mise en open data des décisions de justice, c'est-à-dire de toutes les décisions, celles de la Cour de cassation, mais au-delà, celles des cours d'appel et celles de l'ensemble des tribunaux judiciaires. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle que le modèle choisi par la France depuis la loi pour une République numérique de 2016, c'est un modèle de diffusion non pas sélective, mais exhaustive de l'ensemble des décisions rendues par les juridictions en France. La deuxième mission importante et nouvelle qui a été confiée au SDER est la mission d'aide aux juridictions du fond. Cela via la production d'outils, de documentation de manière plus abondante, plus pérenne, plus rationalisée. Et cela aussi via les réponses à des questions de droit que les juridictions de première instance ou de deuxième instance sont amenées à poser au SDER. Enfin, une troisième mission, encore plus récente, lui a été confiée et a débuté à partir du mois d'octobre de cette année, c'est celle de la création d'un observatoire des litiges judiciaires sur lesquels on pourra vous revenir si vous le souhaitez. Alors, ces nouvelles missions du SDER, et notamment l'open data, qui occupe à peu près une trentaine de personnes, expliquent évidemment la croissance des effectifs du SDER. Mais pas seulement. Il faut aussi comprendre que le service a dû grossir de manière exponentielle pour faire face à ces missions traditionnelles, essentielles au fonctionnement de la Cour, qui elles-mêmes ont considérablement évolué depuis 1947 et du fait de plusieurs facteurs. Du fait d'abord de l'augmentation des contentieux, imposant évidemment d'en rationaliser le traitement. Du fait aussi de l'internationalisation et de la complexification du droit qui oblige à faire des recherches de plus en plus poussées, non seulement sur le droit interne, mais le droit de la Convention, le droit de l'Union et au-delà, le droit comparé sur tous les sujets que nous pouvons avoir en partage avec les autres cours suprêmes d'Europe ou avec les cours suprêmes de l'ensemble du monde. Et aussi, troisième facteur certainement déterminant de la rénovation et de l'accroissement de ces missions traditionnelles, c'est l'évolution des méthodes de travail avec l'informatique et puis le numérique. Avec la création des bases Jurinet et Jurica, l'accès à l'ensemble des arrêts est grandement facilité par rapport à un accès antérieur seulement aux arrêts publiés de la Cour. De ce fait, évidemment, ces arrêts non publiés sont de plus en plus cités, exploités, dans une certaine mesure par les avocats au conseil, et évidemment par les conseillers et les avocats généraux. Donc, évidemment, on grossit le fonds documentaire et la manière de travailler sur ces questions. Cela est vraiment de nature à révolutionner le process de fabrique du droit. Et avec l'open data, évidemment, on a un degré supérieur, on franchit une nouvelle étape, certains diront on change de paradigme, puisque là, non seulement vont nourrir les travaux de la Cour, non seulement les arrêts de la Cour non publiés, mais encore l'ensemble des décisions des juges du fond. Et puis, on peut citer en particulier les décisions des premiers juges, puisqu'elles seront mises en open data avant la fin de l'année et que c'était des décisions qui n'étaient jusqu'alors accessibles à personne, pas à la communauté des juristes, pas au grand public, mais pas même non plus aux magistrats. Alors, j'en reste là sur cette présentation historique très succincte du service avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la description de ce qu'il produit et dans la manière dont il utilise la bibliothèque. Pourquoi je m'arrête là ? Certainement parce que c'est un colloque, qu'il faut être rapide, mais en réalité, ce n'est pas la vraie raison. Je m'arrête là parce que je n'en sais pas tellement plus. Et je profite d'être en ces lieux et de m'adresser à un auditoire comme le vôtre pour dire qu'à mon sens, l'histoire du SDER reste à faire. L'histoire des méthodes de travail à partir des années 50 jusqu'à l'ère de l'informatique, puis l'ère du numérique, mériterait d'être faite. Je n'ai pas une vision claire de ce qu'il nous reste en termes d'archives qui nous permettrait de faire cette histoire. Mais il est sûr que cette histoire peut s'appuyer sur les acteurs, sur la mémoire orale, et je pense qu'il faut en profiter tant qu'on a au sein de cette cour des avocats, des magistrats qui ont connu ces différentes périodes d'élaboration, de fabrique du droit au sein de cette cour.
J'en arrive donc, après cette présentation historique dont vous avez maintenant compris pourquoi elle est aussi succincte, j'en arrive donc aux productions du SDER que je distinguerai en deux types. D'une part, les productions à destination de l'extérieur et d'autre part, les productions à destination de l'intérieur, c'est-à-dire des seuls magistrats de la Cour et des juridictions du fond. Donc la principale des productions à destination de l'extérieur du SDER, c'est bien évidemment la production des bulletins des chambres civiles et de la chambre criminelle, bulletins sur lesquels travaillaient autrefois les magistrats de la Cour qui n'avaient que ces bulletins avec les arrêts publiés pour nourrir leurs réflexions juridiques. Depuis janvier 2022, les bulletins des arrêts des chambres civiles et de la chambre criminelle, qui étaient évidemment jusqu'à présent sous une forme papier, ont été supprimés et remplacés par une diffusion exclusivement numérique, diffusion qui intervient très rapidement après que les arrêts soient rendus, puisqu'elle intervient dans les 15 jours. Cette numérisation des bulletins, qui a été un travail très important du SDER, et je dois dire... Je le dis d'autant plus facilement que la paternité en revient à mes prédécesseurs, a été menée de manière très exceptionnelle et avec beaucoup de succès. C'était indispensable, évidemment, parce qu'il fallait, notamment à l'heure de l'open data, être dans la modernité, mais c'était aussi indispensable parce que ce processus d'élaboration papier était extrêmement difficile et chronophage et accusait un retard de près de 3 ans de publication des arrêts. Donc, quand on connaît l'importance des arrêts publiés de la Cour, c'était évidemment tout à fait préjudiciable en termes d'accès au droit. Avec les arrêts publiés de manière numérique, on a vraiment la publication dans les 15 jours qui suivent le rendu de l'arrêt. À la faveur de ces nouvelles publications numériques, je ne vais pas entrer dans le détail, mais si cela vous intéresse, je pourrais y répondre. Il y a un nouveau siglage des arrêts, avec les arrêts publiés au bulletin, les arrêts publiés au rapport, les arrêts qui donnent lieu à un communiqué de presse et les arrêts qui sont publiés aux lettres des chambres. Tous ces éléments qui donnent une idée de l'importance de l'arrêt et de sa portée normative figurent aussi dans les décisions diffusées en open data et qui sont accessibles par le moteur Judilibre. L'autre nouveauté liée à cette publication du bulletin numérique, c'est un index annuel qui est devenu pluriannuel et perpétuel. Le SDER assure aussi, j'en profite pour le dire, l'enrichissement des arrêts publiés au bulletin par le titrage, la recherche des connexités et de rapprochement de jurisprudence. Alors, lorsque ce dispositif a été lancé en 2022, nous avons commencé à numériser les arrêts au fur et à mesure de leur production. Mais il faudrait vraiment, et je sais que Philippe Galanopoulos y est très attaché, qu'on puisse lancer un projet de numérisation et de diffusion numérique des arrêts plus anciens. C'est un projet qu'on ne perd pas de vue, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore pu déployer les moyens nécessaires à cette numérisation rétroactive, le service étant très, très occupé par la diffusion en open data, qui est extrêmement complexe et chronophage. La deuxième publication du SDER à destination de l'extérieur, c'est le rapport de la Cour de cassation. Le SDER en pilote la publication. C'est un rapport qui paraît de manière tous les ans, qui a plusieurs fonctions. Il réunit les propositions de modifications législatives ou réglementaires des différentes chambres de la Cour qui sont présentées avec les avis de la chancellerie sur ces propositions de modifications. Il présente aussi ce rapport de manière détaillée l'activité des chambres de la Cour, ainsi que des commissions et des juridictions qui sont instituées auprès d'elles. Il présente l'activité juridictionnelle et l'activité extra-juridictionnelle. Par exemple, notre colloque fera certainement l'objet d'un petit commentaire au rapport.
Ce rapport a été rénové aussi en 2022, puisqu'à partir de cette date, n'y figurent plus les études. Avant, ce rapport comportait une grande étude de la Cour, une étude qui, sur un thème transversal, qui permettait de présenter, parfois de manière un peu artificielle ou en tout cas académique, la jurisprudence des différentes chambres de la Cour. Cette partie du rapport a été abandonnée. Et maintenant, il y a un recueil des études que publie le SDER et qui présente chaque année 2 à 3, 4, pas plus, études. Donc, ça peut être des études communes à plusieurs chambres. Ce sera le cas pour l'année prochaine, par exemple, mais je n'en dévoile pas les sujets. Et sinon, c'est des études présentées par quelques-unes des chambres de la Cour sur des sujets sélectionnés en raison de leur intérêt jurisprudentiel, de leur impact pour les juridictions du fonds, ou encore en raison des enjeux sociétaux, économiques, sociaux qu'ils peuvent revêtir. Ces outils sont diffusés sous forme papier. On les envoie d'ailleurs à l'ensemble des bibliothèques universitaires, des grandes bibliothèques, aux écoles doctorales. On les diffuse un peu au compte-gouttes. Il n'y en a pas énormément, mais ils restent quand même diffusés dans les lieux de recherche les plus importants. Et puis, il y a une diffusion numérique sur le site internet de la Cour de cassation. S'ajoute à ça des productions que le SDER fait à destination cette fois des seuls magistrats de la Cour et les autres magistrats. Et ce sont des productions qui sont diffusées uniquement sur l'intranet de la Cour. Ces productions sont effectuées soit d'initiative du SDER, soit elles sont effectuées parce que le SDER est saisi de demandes de recherche par les magistrats de la Cour, du siège ou du parquet général, soit à la faveur du traitement d'un pourvoi, soit sur des questions transversales qui ne sont pas connectées directement au traitement d'un pourvoi. Le SDER peut aussi être saisi par les magistrats des juridictions du fonds qui lui demandent des études sur tel ou tel thème, sachant que certains bureaux sont de plus en plus et très largement saisis aussi par les juridictions du fonds. Par exemple, le bureau pénal est saisi par 50% de ses saisines par les juridictions du fonds. Sur la base de ces demandes de recherche, le SDER produit différents types de production. Il fait des études complètes, classiques, état de la doctrine, des débats parlementaires, de la jurisprudence sur une question donnée. Il peut faire des panoramas uniquement de jurisprudence, de juges du fonds ou de la Cour de cassation. Il peut faire des bibliographies organisées. Il fait aussi de manière régulière des veilles mensuelles ou annuelles de jurisprudence et de doctrine, parfois sur des thèmes ciblés, et de plus en plus sur le droit de l'Union, le droit de la Convention et les décisions des cours suprêmes nationales. Ça, c'est quelque chose de nouveau que nous faisons depuis quelques mois avec des stagiaires qui parlent plusieurs langues et puis évidemment en priorité les décisions traduites en anglais et diffusées par les autres cours suprêmes. Il fait aussi des études de droit comparé, comme je le disais, qui sont devenues vraiment indispensables aujourd'hui dès qu'une grande question se pose, puisqu'en général, nous l'avons en partage avec les États voisins ou plus lointains. Le SDER, enfin, crée des outils méthodologiques avec des groupes de travail qui sont dédiés à leur élaboration, des outils méthodologiques sur les questions les plus complexes qui peuvent se poser aux juridictions du fonds, mais qui ont une vocation pratique. Il s'agit en quelque sorte de modus operandi. L'ensemble de ces productions, de cette documentation, est diffusée. Pour l'instant, il y a un petit débat interne, on va dire, là-dessus, mais pour l'instant, ça n'est diffusé que sur l'intranet de la Cour, c'est-à-dire que la communauté des juristes, les avocats au Conseil, par exemple, n'y ont pas accès. Seuls les magistrats y ont accès. Pour faciliter les recherches des magistrats, un nouveau plan de classement de cette documentation a été élaboré par le SDER, qui, j'espère, est plus complet et plus clair que ce qui avait pu exister auparavant et qui permet de faire des recherches par matière et par mots-clés et non pas par type de document, ce qui était le cas avant. Et ces productions sont diffusées
sont sur le site d'Intranet et en plus sont présentés dans la lettre du SDER, qui est un outil de communication, là encore uniquement pour les magistrats, qui informent sur l'état du service, ses principaux projets qui sont en cours, mais aussi sur les nouvelles études et les nouveaux outils qui sont mis en ligne de façon à informer les magistrats en temps réel de ces nouvelles productions. Donc, pour réaliser l'ensemble de ces productions et de ces recherches, évidemment, le SDER bénéficie des ressources de la bibliothèque et de ses bases de données, il y en a 10, je crois, qui sont gérées par la bibliothèque, ainsi que des sites des éditeurs juridiques auxquels la bibliothèque est abonnée. Nous avons d'ailleurs formé des demandes d'élargissement de façon à ce que la bibliothèque soit davantage abonnée à des ressources juridiques étrangères de façon à pouvoir plus facilement effectuer nos recherches de droit comparé qu'on appuie aujourd'hui principalement sur des réseaux de magistrats de cours suprêmes en Europe, mais il y aurait certainement matière à mutualiser peut-être avec d'autres bibliothèques, mais en tout cas à avoir des fonds documentaires en toute langue et beaucoup plus vastes par rapport aux besoins de la Cour. Le SDER bénéficie aussi de ses propres bases de données, de celles qu'il gère lui-même, à savoir la base de Jurinet, avec toutes les décisions de la Cour et des juridictions dignes d'intérêt, et la base Jurica, qui réunit toutes les décisions, pour l'instant, des cours d'appel. Décisions rendues publiquement, donc ayant vocation à être mises en open data, et décisions non rendues publiquement, qui, elles, peuvent être très importantes, notamment, par exemple, dans la matière familiale, et qui n'ont pas vocation à être mises en open data. Il bénéficiera aussi, évidemment, du nouveau moteur de recherche JudiLibre pour les décisions des tribunaux judiciaires qui, elles, ne seront accessibles pour le SDER que via ce site JudiLibre sur l'intranet de la Cour. Alors, s'agissant des méthodes de travail du SDER, il faut noter qu'il saisit de moins en moins la bibliothèque, que ces saisines sont certainement en train de se raréfier, notamment en raison de la présence des juristes au SDER, des assistants de justice, des juristes assistants qui sont extrêmement aguerris à la recherche numérique et arrivent en général à trouver sur les bases de données gérées par la bibliothèque l'ensemble des éléments dont le SDER a besoin pour ses recherches. Mais, cependant, le SDER saisit quand même la bibliothèque et je crois qu'il fait partie des plus grands utilisateurs de la bibliothèque au sein de la Cour, puisque selon le dernier rapport annuel, 21% des saisines de la bibliothèque venaient du SDER. Alors, que demande le SDER à la bibliothèque ? Eh bien, un certain nombre de choses. Évidemment, les documents non numérisés, soit parce que la revue n'est pas du tout numérisée, soit parce que la bibliothèque n'est pas abonnée à la revue, ou elle est déjà numérisée, mais on a besoin d'articles plus anciens. Il y a eu, par exemple, sur l'année passée, 142 demandes d'articles ou d'arrêts anciens à la bibliothèque en 2022. Arrêts anciens qui, comme je le disais, ne sont pas numérisés. Il faut bien mesurer qu'ici, dans le temple du droit, lorsqu'il y a une question nouvelle et complexe, la recherche doit être la plus exhaustive possible. On doit faire une étude complète de l'état d'une question et parfois l'histoire du traitement de l'état de cette question va éclairer la question contemporaine et donc très souvent on est obligé de faire aussi des recherches sur des revues anciennes ou sur des arrêts anciens. Par exemple, pour les rapports et les avis qui sont rendus pour les plénières de cours, il y a toujours une partie historique sur l'histoire de la question posée et de son traitement. Voilà ce qu'on peut. On peut aussi demander à la bibliothèque un certain nombre d'ouvrages dans le même souci
de recherche historique, d'ouvrages qui ne sont pas forcément à la bibliothèque, et dans le même souci d'exhaustivité, hein, comme je le disais, les avis sont toujours très complets lorsque la question vient au niveau de la Cour de cassation et qu'elle a un traitement approfondi. Donc on est obligé évidemment d'aller vers d'autres matières que le droit, et à ce moment-là, la bibliothèque peut, sur d'autres matières que le droit, médical, technique, etc., nous donner des ouvrages que la bibliothèque se fait prêter. Donc les liens entre le SDR et la bibliothèque sont évidemment étroits. Pour conclure ces propos rapides, je dirais que le SDR a été au cœur de deux révolutions majeures qui ont été vraiment lourdes d'impact sur les méthodes de travail de la Cour et l'exploitation des ressources documentaires. Ces deux révolutions, vous l'avez compris, c'est la révolution informatique d'une part et la révolution numérique d'autre part. Dans cette perspective, je pense que d'autres évolutions nous attendent. Il faut à la fois les anticiper et y travailler de concert, certainement avec la bibliothèque. Je pense aux évolutions des outils de recherche documentaire qui peuvent s'appuyer sur l'IA. Le SDR entend développer des programmes d'IA générative, puisqu'il a déjà, avec son laboratoire d'innovation et des travaux qu'il a conduits sur l'open data, une compétence en la matière. Il nous semble indispensable que l'IA puisse aussi aider à la recherche juridique. Et puis un autre élément certainement d'avenir dans le cadre de l'internationalisation que j'évoquais dans mon petit propos liminaire, eh bien, il faudra certainement envisager des mutualisations des fonds entre la Cour et d'autres services, d'autres bibliothèques, d'autres cours, et de commencer à avoir des partenariats et des réseaux documentaires nationaux et internationaux. Et ça me paraît être un des chantiers très importants pour l'avenir. Et je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous avons donc une plage de débat. Moi, j'ai quelques questions, mais si vous avez des questions dans la salle, aux interventions qui ont été faites, la parole est la vôtre. Vous vous présentez et vous posez la question. Oui ? Je vous entends très mal, monsieur. Ah, peut-être vous m'entendez mieux. Oui, donc j'interviens très humblement après votre magistrale intervention, très complète. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je sais qu'on parle du droit, bien évidemment, mais depuis quelques années, on considère que l'évaluation des préjudices, des dommages, quant à la méthode retenue, relève plus ou moins du droit. Il y a d'ailleurs un arrêt du 28 juin 2023 par la Chambre commerciale qui a fait l'objet d'une publication, l'aide de la Chambre commerciale de juillet 2023, qui disait qu'il fallait regarder effectivement les méthodes retenues. Je souhaiterais savoir si votre bibliothèque a des livres et si votre système informatique est rempli justement sur les méthodes d'évaluation financière, parce que c'est ça qui est important en termes d'évaluation du préjudice, du dommage. Nous n'avons pas de documents de synthèse particulière sur cette question, mais typiquement ça peut être une question qui peut donner lieu à une demande par une des chambres, la chambre commerciale ou une autre chambre, qui peut conduire le SDR à étudier un grand nombre de décisions pour essayer de déterminer un mode d'évaluation du préjudice à partir d'un certain nombre de critères qu'on retrouve d'une décision à l'autre, et c'est quelque chose sur lequel on peut travailler grâce à l'intelligence artificielle. Et de plus en plus, on n'en a pas eu récemment sur cette question d'évaluation du préjudice, mais de plus en plus on a des demandes d'analyse exhaustive de la jurisprudence massive, la jurisprudence que certains appellent concrète,
sur ce type de sujet qui relève pour partie d'ailleurs de l'évaluation souveraine des juges du fond, mais sur lesquels il est très intéressant que la Cour ait une connaissance fine. Juste une petite parenthèse, parce que dans votre grande chambre, le 28 juin, il y a eu un colloque sur les usages professionnels, et le professeur Mingui, les professeurs Mousseron ont reconnu finalement que les normes d'exercice professionnel, par exemple des experts comptables, étaient une source juridique. Donc ces normes d'expertise des experts comptables devraient, sûrement font partie de votre bibliothèque et sont numérisées. Voilà. Avec les discounts cash flow, l'évaluation d'un préjudice en matière 3D société, c'est important. C'est très important pour une bonne administration de la justice. Voilà. Oui, enfin, je vais répondre en tant que directeur de la bibliothèque. En fait, votre question est très indirecte. Nous, on ne se préoccupe pas de la thématique juridique. En amont, on achète tout. Donc notre politique d'acquisition, elle est globale. Nous avons un budget d'acquisition et nous faisons en sorte, avec ce budget d'acquisition, d'acheter tous les ouvrages juridiques français pour les magistrats. Et si le document n'est pas acquis par la bibliothèque et qu'un magistrat en a besoin, on se le fait prêter par le réseau universitaire qui est représenté ici. Donc si vous voulez, notre bibliothèque est beaucoup plus large que celle que vous pouvez voir matériellement à l'étage supérieur. Nous avons tous les livres du monde pour que tous les magistrats de la Cour de cassation puissent répondre aux questions de droit qui se posent actuellement. Donc en fait, si votre préoccupation est celle de la lacune documentaire, n'ayez crainte, nous avons tout. Et si nous n'avons pas tout ici, nous pouvons nous faire prêter par les collègues des bibliothèques du réseau universitaire les documents qui manqueraient. Notre ligne de directrice, c'est un magistrat doit bénéficier de toute la documentation possible, en papier ou en numérique. C'est à nous de nous débrouiller pour la lui fournir. On fournit les livres à tout le monde, aux magistrats du siège, du parquet, aux membres du SDR. Vraiment, on fait tout notre possible. Merci. Une autre question, monsieur. Sur le bouton. Je me présente comme un usager du SDR. Je co-dirige une revue juridique qui s'appelle Droit pénal. Mon chagrin et celui de beaucoup de commentateurs, c'est l'anonymisation des noms des parties. Alors, il y a déjà eu un article très intéressant au Dalloz qui proposait d'inventer des noms fictifs, Mickey, etc. Vous mettez des numéros, c'est pas très pratique. A, B, C, par exemple, ce serait plus pratique que 1, 2. Et puis, en plus, c'est quelquefois parfaitement arbitraire, l'anonymisation. Par exemple, l'arrêt UBS, qui a été rendu le mois dernier, eh bien, on sait que c'est la société suisse UBS qui a été condamnée. Mais quelques jours avant, il y avait l'arrêt Ryanair. Alors ça, c'était la société 1. Peut-être que vous ne pourriez pas tout anonymiser à ce point-là. Par exemple, les noms des localités. Monsieur Intel a été surpris en excès de vitesse dans la localité N. Pas N, justement, la localité 1, 2, 3 ou 4. Pourquoi pas le dire ? Le professeur Intel, expert auprès du Muséum d'histoire naturelle, a été consulté. Lui aussi, il est anonymisé. Puis pendant un moment aussi, vous aviez anonymisé les noms des magistrats qui rendaient les arrêts. Là, vous avez abandonné, vous avez bien fait. Si vous mettiez Monsieur 1, président de la chambre criminelle, ça nous gênerait pas beaucoup. Donc, c'est ce problème de remplacement des chiffres, des nombres, par autre chose, où ça pourrait être comme dans les HLM, des noms de fleurs, roses, marguerites, etc. Ce serait beaucoup moins mal commode, surtout quand il y a beaucoup de parties. Je parle là en usager égoïste, madame. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Alors, première réponse, vous dites vous, c'est le législateur d'abord, ça n'est pas moi. Ça n'est pas le SDR. Donc le législateur a fait un certain nombre de choix. Par exemple, vous nous parlez des personnes morales, le législateur a fait le choix de ne pas anonymiser par principe le nom des personnes morales.
le nom des magistrats. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion quand vous dites que on a anonymisé les noms des magistrats. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Le législateur a fait le choix qu'il n'y ait pas, ça a été beaucoup débattu, hein, mais le législateur a fait le choix que les noms des magistrats, des avocats et des greffiers ne soient pas anonymisés. Donc ça, c'est ce qu'a voulu le législateur. Après, nous avons défini au sein de la Cour de cassation, nous avons proposé des, et nous appliquons pour la Cour et les juridictions en ce qui les concerne, des recommandations d'occultation. Ces recommandations d'occultation ont été élaborées par matière et répondent à un objectif de proportionnalité entre la nécessaire protection de la vie privée et l'intelligibilité de la décision. La protection de la vie privée renvoie à un impératif très large d'anonymisation, puisqu'il ne suffit pas d'anonymiser le nom pour protéger la vie privée, parce qu'il y a plein de moyens de réidentifier, de réidentifier la personne. Les dates auxquelles vous faisiez allusion, les lieux peuvent constituer des éléments, les numéros de réidentification. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est dans des matières sensibles, les recommandations d'occultation vont au-delà du socle imposé par la loi, qui est l'anonymisation seule du nom des parties personnes physiques. Alors, sur les personnes morales, pourquoi il peut y avoir une différence ? Eh bien, parce que dans la doctrine de recommandation, suivant le type de contentieux, il a été décidé d'anonymiser, enfin, non, pas décidé, on propose d'anonymiser ou non le nom de la personne morale. Dans la doctrine d'occultation, alors, l'anonymisation du nom des personnes morales est vraiment utilisée avec parcimonie et ne vise que des situations dans lesquelles le maintien du nom de la personne morale pourrait avoir des répercussions sur une personne physique par rapport à la vie privée de la personne physique. Il n'y a pas de protection de la vie privée de la personne morale comme telle. Donc, typiquement, par exemple, dans les dernières recommandations qui ont un peu évolué dans le droit patrimonial de la famille, il est proposé d'anonymiser le nom des personnes morales, parce que quand vous avez le nom d'une personne morale et que c'est une mesure après divorce du gérant, bah, en deux clics sur Google, vous voyez le nom du gérant en question. Donc voilà, c'est tout des positions. Alors il y a tout n'est pas diffusé sur Internet, c'est vrai. Beaucoup de choses sont restées pour l'instant sur intranet, mais il y a toute une logique et une réflexion juridique commune dans le cadre fixé par le législateur pour mettre en œuvre cette politique d'anonymisation. Après, au niveau du SDR, c'est fait de manière automatique. Grâce à l'intelligence artificielle, on a un label qui passe ses décisions et fait une anonymisation sur la base des critères ramenés à des codes de matière, de contentieux, fait l'anonymisation. Et pour les dossiers les plus sensibles, c'est vérifié par une relecture manuelle ciblée. Alors maintenant, pourquoi des lettres plutôt que des noms de remplacement ? C'est un choix qui a été fait à l'époque, arbitré par la première présidente Chantal Arens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Les noms, c'est quand même très gênant parce que vous pouvez, enfin, des noms de remplacement, parce que souvent vous tombez sur des noms de remplaçants qui correspondent à des vraies personnes qui n'ont rien à voir évidemment avec le dossier, mais c'est quand même très gênant. Et beaucoup d'usagers s'accordent à dire qu'avec l'habitude, on finit par se repérer assez bien avec ABC et à comprendre qui est qui, quitte à se faire un petit schéma. Mais je ne vous cache pas que les magistrats qui ont accès via Jurinet à la décision non anonymisée préfèrent lire la décision non anonymisée. Mais je pense vraiment que c'est une question d'habitude aussi. D'autres questions ? Oui. Jean Boyer, je suis avocat général honoraire. J'essaie de faire une petite recherche et dans la mesure où j'ai accès à Jurinet, je ne m'en prive pas. Alors mon problème, c'est que est-ce que je peux citer l'avis d'un rapporteur, le rapport du conseiller ou l'avis de l'avocat général ?
Je suis très gêné parce que, en principe, c'est un document plutôt interne, me semble-t-il. Mais c'est quand même un peu gênant de voler son idée à un collègue, sans le citer. Voilà l'objet de ma perplexité. Je ne sais pas si... voilà, c'est à la fois très compliqué et très simple. C'est une bonne question. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas le citer, parce qu'on a toute une politique de diffusion des avis et des rapports. Certains avis et rapports sont diffusés, d'autres pas. Que c'est à la fois en accord avec les intéressés et une politique de cour. Donc le Premier Président a décidé de publier de manière systématique les avis et les rapports dans tous les dossiers pour lesquels il y a une mixte, une assemblée plénière ou un circuit approfondi, puisqu'il y a maintenant un traitement selon différents circuits au sein de la Cour. Donc ça, c'est déjà en place. Et ensuite, l'idée est d'arriver à pouvoir publier tous les avis et les rapports des arrêts publiés. Pour l'instant, ça se fait sur la base du volontariat, c'est-à-dire que le rapporteur ou l'avocat général indique au moment où il rend son avis ou son rapport qu'il souhaite que celui-ci soit publié. Et alors, si tout le monde est d'accord, le président de chambre, et que l'arrêt auquel aboutit cet avis ou ce rapport est publié, alors ce sera diffusé en open data. Donc on va aller à terme vers quand même de plus en plus de diffusion. En gros, 10% des décisions de la Cour de cassation sont publiées, donc dans lequel on aura accès à l'avis et le rapport. Donc à ce moment-là, vous pourrez citer l'avis et le rapport puisqu'il sera diffusé en open data. Dans l'attente, ça me paraît très, très difficile. Les collègues le font évidemment en interne. Un avis ou un rapport va en citer un autre. Par contre, s'il rédige un article de doctrine, un article sur l'arrêt, ils ne vont pas citer une partie de l'avis ou du rapport si celui-ci n'a pas été rendu public. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième partie. Je suis désolé pour ceux qui avaient encore des questions à poser. J'en avais, mais je ferai ça hors séance. Nous allons passer donc aux deux communications suivantes. La première, c'est celle de Alix Mera et Sylvain Gia, donc de la bibliothèque interuniversitaire CUJAS. La mise en place d'un plan de conservation partagé des périodiques juridiques à l'échelle nationale, les enjeux de la mutualisation. Voilà le mot mutualisation dont je vous parlais tout à l'heure. Excusez-nous pour ces problèmes techniques, hein, c'est toujours le cas quand on a des... Ça peut arriver.
Je reprends juste le début. Alors déjà, je tiens à remercier donc les organisateurs de ce colloque pour nous avoir invités, donc en particulier Philippe Ehenopoulos. Donc je me présente, moi et mon collègue, donc Alix Mera, donc responsable du service des périodiques des VTQJAS, et Sylvain Gia, donc Libas, chargé des catalogues, sans lesquels je ne ferai pas grand-chose. Alors, je ne sais pas, par contre, si la présentation pourrait s'afficher. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui donc, la conservation partagée des périodiques en droit, donc, avec un plan en trois parties, hein, parce que je suis également historienne d'origine, donc forcément, ça se ressent. Donc, dans un premier temps, donc, un point sur les définitions et les enjeux de la conservation partagée. Qu'est-ce que c'est ? Qui sont les acteurs et comment on met en œuvre ? Ensuite, un point sur le plan de conservation partagée en droit, donc le fameux BCP droit dont il est question aujourd'hui, que nous pilotons à QJAS. Et enfin, une troisième partie sur les projets que nous menons autour du plan de conservation qui vise à dépasser un peu les enjeux, on va dire, traditionnels de la conservation partagée. Ah, c'est un peu rudimentaire comme méthode, mais on va dire que ça ira. Ensuite, donc, hop, qu'est-ce que la conservation partagée ? Donc, la conservation partagée est un dispositif de coopération documentaire reposant sur la concertation de plusieurs établissements en vue de développer une politique raisonnée de conservation. Donc, elle permet à ses membres d'améliorer et de faciliter la gestion des collections en permettant notamment aux établissements partenaires de se séparer de leurs collections en toute sérénité, avec l'assurance que les collections désherbées en particulier sont conservées et accessibles ailleurs dans le réseau. Elle permet également de rationaliser les espaces en mutualisant la conservation de sorte qu'un même périodique ne soit pas conservé dans toutes les bibliothèques de France. Dans un contexte de raréfaction des espaces disponibles, surtout en Ile-de-France, hein, je pense qu'on connaît tous cette problématique, la conservation partagée permet de concilier nécessité de conservation et réalité du terrain. La conservation partagée vise enfin à constituer des collections complètes en stimulant les dons et les échanges et permet d'offrir une documentation de meilleure qualité aux usagers, plus complète, en meilleur état, voire même mieux signalée dans les catalogues. Enfin, dans l'enseignement supérieur, on parle essentiellement de plans de conservation partagés, des périodiques, mais il existe en vérité un nombre assez conséquent de plans de conservation des collections, notamment dans la lecture publique, où on peut avoir des plans de conservation, des vidéogrammes ou de littérature jeunesse. Donc disons que les plans de conservation partagés des périodiques sont plutôt une particularité issue de l'ESR. Ensuite, donc, pourquoi conserver des périodiques ? C'est une bonne question. Donc, pour trois raisons principales. Les périodiques sont une source très importante pour la recherche. Je pense que tout le monde peut en attester. Ils sont constitutifs de la mémoire d'une discipline, ce qui en font des ressources particulièrement consultées. Ce sont également des collections pour lesquelles le besoin de conservation est particulièrement fort. Cela tient d'une part à la fragilité du support papier, parfois très acide, mais la nécessité d'une conservation partagée tient surtout à la diversité des titres qui, combinés à une volumétrie souvent importante, rendent bien souvent impossible l'exhaustivité de la couverture à l'échelle d'un seul établissement. Par ailleurs, la nature sérielle du périodique oblige à un engagement de la durée pour offrir une collection complète, un engagement qui ne peut être supporté par un seul établissement. La nécessité de conservation des périodiques est enfin d'autant plus importante en sciences juridiques que beaucoup de demandes de communication, qu'il s'agisse de jurisprudence, de textes législatifs, de doctrines, portent sur les années qui ne sont pas numérisées, soit qu'elles appartiennent pas encore au domaine public, et ne font donc pas l'objet d'une numérisation
patrimoniales telles que Gallica, soit qu'elles ne soient pas commercialisées au format numérique par éditeur. Il est donc fondamental de sanctuariser l'accès à ces collections pour nos lecteurs. Ensuite, donc, avec quels moyens faisons-nous de la consommation partagée ? Alors, cette consommation partagée des périodiques est mise en œuvre au travers de plans de consommation des périodiques, ce qu'on appelle PCPP. Les premiers, comme vous les voyez sur le graphique, sont créés en région des années 1990. Si l'on peut s'étonner qu'ils émergent initialement en région, il faut considérer en fait l'existence en région parisienne du Centre technique du livre et d'enseignement supérieur, dit CTLES, qui, pour l'établissement dit de France, propose un stockage des collections et qui, donc, pendant plusieurs années, a joué un rôle de conservateur en dernier recours. En Ile-de-France, il faut donc attendre 2004 pour pouvoir apparaître un premier plan de conservation, donc le PCP médecine, caractérisé par son corpus disciplinaire. L'essor de ces PCP dits thématiques ou nationaux, pour les différencier des plans de conservation qui existent également en région, donc intervient surtout à partir de 2012, lorsque le Centre technique du livre crée un service dédié à la conservation partagée des périodiques dans l'ESR. À partir de 2016 en particulier, le CTLES soutient financièrement le développement et la création de nouveaux PCP nationaux au moyen d'appels à projets en lien avec le programme national Collecte Percée dont il était question plus tôt. Deux principaux appels à projets ont ainsi été lancés en 2017-2019 et 2020-2022. Alors aujourd'hui, nous sommes sous le régime d'un recueil des besoins annuels. Nous ne sommes plus sous le système de l'appel à projet trisannuel, puisque le dispositif Collecte Percée, comme vous savez peut-être, est arrivé à échéance et doit être renouvelé. Donc nous sommes sur un système de financement annuel, avec un financement à hauteur de 80% des besoins. Et vous pouvez voir sur la slide un certain nombre d'actions qui sont financées par le CTLES et qui nous permet d'œuvrer pour la conservation des collections, c'est-à-dire de la relure, de la restauration, de l'achat de matériel de conservation, mais également des financements pour la numérisation, pour la gestion courante des collections, pilon, transfert, déménagement. Avec ensuite, quels acteurs ? Alors, pour tous les PCP, la structuration reste calquée sur celle qui a été mise en place à l'époque pour le PCP médecine, c'est-à-dire un pilote administratif ou technique, qui est le CTLES, et un pilote scientifique, donc ici, la bibliothèque CUJAS. Alors, deux pilotes de rôles très différents. Donc, pour le pilote technique, donc, ce titre dit CTLES, il met à disposition logiciels et savoir-faire pour la mise en œuvre effective du plan. Donc, il gère également le processus de financement et de convention. Enfin, le pilote scientifique, donc ici nous-mêmes, a une mission d'animation et de gestion de réseau et une mission d'expertise scientifique. C'est-à-dire, par exemple, sur le plan administratif, nous sommes en charge d'animer les réunions, rédiger les comptes rendus, recueillir les besoins, recevoir la subvention et la reverser aux membres. Et sur le plan scientifique, nous sommes chargés de la définition du corpus et de la création des listes, sur lesquelles nous allons revenir plus tard. Donc, je vais laisser mon collègue vous parler un petit peu plus du plan de conservation partagée en droit, dans les questions ici. Oui, merci Alix. Donc, je dirais juste en préambule que la bibliothèque CUJAS est naturellement pôle scientifique pour le PCP droit, mais qu'elle participe aussi en tant que simple membre du temps plein au PCP économie-gestion. Voilà. Donc, je commence d'abord par un petit historique. Donc, le PCP droit a été porté sur les fonts baptismaux en 2016 lors d'une réunion inaugurale le 8 juillet. Mais bon, ce n'est pas une création ex nihilo, il y a eu tout un travail préparatoire qui peut remonter aussi loin qu'en 2008 avec un projet de carte documentaire du quartier latin. C'est un projet qui a avorté malheureusement. Donc comme
Tu l'as dit tout à l'heure, dans ce genre de projet, la bonne volonté ne suffit pas en matière de conservation partagée. Il faut aussi qu'il y ait une nécessité urgente et des crédits par derrière. Donc ça, les deux conditions se posaient à peu près à ce moment-là, car il y avait des regroupements universitaires, donc nécessité de pylons importants. Et par ailleurs, le ministère nous a puissamment aidés à partir de 2017 avec les fonds des appels à projets Collex Percé, qui ont permis l'embauche de contractuels, notamment pour les récolements. Donc les premières années, fonctionnement assez pragmatique. C'était plutôt la définition de pratiques communes et des réflexions sur le corpus. Les premiers positionnements et transferts ne sont arrivés qu'à partir de 2018, concomitamment avec l'extension en région 2018 et 2019 avec les universités de Toulouse-Capitole, de Rouen et en 2019 d'Aix-Marseille. Et finalement, la dernière extension est venue en 2023, c'est tout récent, hors enseignement supérieur et recherche. Bon, voilà, c'est naturellement la Cour de cassation que nous remercions pour doublement, hein, pour son accueil et aussi pour son adhésion au PCP droit. Donc, actuellement, ça fait 14 bibliothèques avec 11 établissements de tutelle. Donc, ils sont tous là, sauf la Cour de cassation, voilà, qui nous a rejoints récemment. J'espère que le directeur de la bibliothèque Cujas, qui est ici présent, ne voudra pas si je présente le logo à côté de celui de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Théoriquement, c'est plutôt l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui a la personnalité morale pour nous. Voilà. Au niveau du corpus, c'est à peu près le même pragmatisme. On est parti en 2016 de titres courants en droit. Globalement, c'était en deux listes les titres en abonnement à la bibliothèque Cujas, donc les titres encore vivants avec leur filiation, parce que dans le domaine des périodiques, il faut remonter tout un historique parfois très ancien. Bon, le recueil d'Alos, par exemple, ça remonte jusqu'en 1825. Voilà, même si dès ce départ, la volonté était quand même d'aller vers l'exhaustivité de la couverture des titres périodiques nationaux français, une ambition qui a été réalisée plutôt avec les listes 3 et 4 en 2019 et 2021, en allant chercher plutôt dans des bases extérieures aux collections de bibliothèques Cujas, je pense aux essentiels du droit de Gallica ou le portail ISSN, on est allé creuser vraiment des choses que nous n'avions pas à la bibliothèque Cujas. Et donc, dernière extension, la liste 5, qui est une ouverture sur les titres juridiques étrangers, car on s'est aperçu rapidement des limites d'un corpus qui est limité uniquement en langue française ou purement français. Ça nous a permis effectivement d'aller rapidement combler des besoins évidents en conservation partagée entre établissements, mais le problème c'est que se laisser de côté des titres qui étaient un petit peu plus fragiles aussi par comparaison avec d'autres PCP thématiques nationaux, c'était un peu problématique que nous n'avions que des titres en langue française. Donc voilà, chaque liste intégrée au corpus correspond non seulement à une succession, mais aussi à une sorte de valeur intellectuelle. Donc, c'est pour ça que nous tenons vraiment à ce que ces titres soient clairement identifiés, liste 1, liste 2, liste 3, liste 4, liste 5, etc. Bon, au niveau de l'organisation, ça a l'air simple, hein, il y a un pôle de conservation qui est chargé de conserver la totalité d'un titre, hein, sur toute la durée de sa production, donc de la manière la plus optimale possible, et les autres établissements du périmètre seront pôles associés, structures associées, membres du plan. Bon, ça désigne le même rôle de toute manière, c'est-à-dire de chercher à combler les lacunes du pôle de conservation au moment de pilon qu'il aura dans ses collections. Donc, j'insiste sur le fait que ce processus de positionnement entre pôle de conservation et pôle associé est un processus de longue haleine, même si notre objectif c'est vraiment que chaque titre du corpus ait un pôle de conservation identifié. Nous laissons les établissements du périmètre libres de leur politique documentaire
Et donc, notre rôle en tant que pôle scientifique, c'est plus un rôle de sollicitation, c'est-à-dire, pour les titres qui restent orphelins, de voir quels seraient les établissements qui pourraient être pôles de conservation s'ils ne le sont pas encore, ou à l'inverse, ça nous arrive un peu plus rarement, d'arbitrer entre les établissements pour les titres pour lesquels il y aurait trop de pôles de conservation. Dans ce processus de positionnement, on essaye quand même de faire respecter des critères objectifs, les critères d'usage du titre, parce que l'intérêt du lecteur doit aussi être pris en compte, mais aussi les critères d'état de la collection. Est-ce que la collection est reliée? Est-ce qu'elle est en bon état? Il n'y a pas de dégradation physique des éléments comme ça. Voilà, et donc... Je pense que j'en ai fini sur cette présentation de PCP. Je vais peut-être te repasser la parole sur la suite. Très bien. Là, nous avons évoqué donc, les enjeux traditionnels d'un plan de conservation partagé, qui sont, comme son nom l'indique, conserver de manière participative les collections. Alors, il faut savoir que la conservation partagée peut également être un socle pour d'autres réalisations. Ainsi, le PCP droit poursuit d'autres projets qui participent également de cette volonté de mutualiser les moyens et les ressources. J'en donnerai donc deux exemples, le projet de signalement mutualisé de Mirabel et le projet de numérisation de Percé, deux entreprises auxquelles le PCP droit participe. Donc, dans un premier temps, le projet Mirabel, qu'est-ce que Mirabel ? Donc, créé en 2009, Mirabel a pour vocation de valoriser les collections des périodiques scientifiques accessibles en ligne. Le projet allie veille documentaire, partager et récupération automatique à la source. Il propose un corpus de revues qui évolue constamment. Donc, de manière très concrète, c'est un catalogue sur lequel vous allez retrouver un certain nombre de notices de titres, que ce soit dans n'importe quelle discipline. Et sur cette notice, vous aurez notamment différents accès qui sont renseignés. Accès à la version numérisée, soit patrimoniale, soit commerciale, accès au sommaire, accès au texte intégral. Voilà, vous avez une vision très, très large et très exhaustive des accès en ligne présents pour la ressource. Donc, l'objectif de notre partenariat avec Mirabel, c'est de verser le corpus du PCP droit dans la plateforme Mirabel afin d'améliorer les visibilités des publications juridiques, donc enrichir les données bibliographiques et les accès en ligne pour faciliter la recherche documentaire. Par exemple, QGIS veille activement les journaux officiels et signale autant que possible les différents supports numériques qui peuvent exister pour le JO, parce qu'on sait que la numérisation du journal officiel est une question assez complexe avec un paysage très, très, très divers. Donc, par quels moyens ? Grâce au crédit PCP dont je parlais plus tôt, nous avons recruté du 15 octobre au 31 janvier 2024 un contractuel qui doit verser donc ce corpus dans la base. Et actuellement, nous avons traité donc trois listes, ce qui fait tout de même 554 notices de titres créés, 1300 modifications, 300 notices d'éditeurs créés, ainsi que 504 créations d'accès numérique. Ensuite, donc, le second projet, donc, c'est Collex Percé pour une numérisation des publications juridiques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Percé est un opérateur national chargé de porter le programme de numérisation enrichie de Collex Percé, qui met en œuvre un programme de numérisation, d'enrichissement, de diffusion et de sauvegarde des collections scientifiques patrimoniales en libre accès. Donc, il est complémentaire à Gallica, je tiens à préciser. La diffusion de ces collections numérisées se fait sur le portail Percé. Sa diffusion peut concerner l'ensemble de la collection ou seulement l'antériorité, s'il existe par exemple une version numérisée proposée par l'éditeur commercial. Percé prend en charge la plus grande partie des opérations de numérisation, de structuration et d'évaluation des données. Donc, pour les bibliothèques, c'est un partenariat qui coûte très peu cher et qui est très intéressant sur le plan scientifique. Donc, aujourd'hui, Percé, c'est 400 revues, mais seulement 12 en sciences juridiques. Donc, c'est la raison pour laquelle la bibliothèque QGIS, en tant que pôle de conservation, en tant que pilote scientifique du PCP droit, a été contacté par Percé en 2022, parce que Percé, historiquement, travaille beaucoup avec les éditeurs
juridique directement. Or, il s'est trouvé qu'un certain nombre d'éditeurs sont intéressés par un partenariat, mais ne disposent pas de collections numérisables, soit qu'ils ne les aient plus, soit qu'ils les aient cédées. Donc, l'intérêt de se rapprocher des plans de conservation partagés, c'est de bénéficier d'un réseau de bibliothèques qui peuvent éventuellement céder une collection complète qui sera numérisée, puisque Percé, je précise, fait de la numérisation destructive. Donc la collection qui est cédée est perdue. Donc le projet que nous avons, donc, cette collaboration que nous avons mis en place donc, au printemps 2023, vise à améliorer donc, cette visibilité des publications juridiques dans Percé en sollicitant et en accompagnant le dépôt de candidatures par des éditeurs juridiques et en fournissant, quand c'est possible, bien sûr, des collections numérisables grâce à la mobilisation de nos réseaux de bibliothèques, que ce soit le PCP droit, mais également les réseaux du SUDOC, enfin, l'ensemble des bibliothèques sur les territoires nationaux, puis également des partenaires privés, notamment avec la liste JuriConnexion que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, d'autres projets donc, a été lancé donc, tout récemment. Donc, nous en sommes au début. Il faut savoir qu'il y a quatre grandes étapes pour ce projet. La première étape, c'était d'identifier un corpus numérisable, ce qui a été achevé donc, en octobre dernier. Donc, ce corpus se compose de 106 titres identifiés qui n'ont pas de numérisation patrimoniale sur Gallica ou autre, qui n'ont pas non plus d'équivalent numérique commercialisable. Donc ce sont des titres qui sont dans cet entre-deux, qui n'ont aucune équivalence numérique, et pour lesquels tout est à faire. Donc l'étape actuelle, c'est recueillir l'accord de principe des éditeurs, donc afin qu'ils soient d'accord pour s'engager avec nous dans cette entreprise, qui sera de longue haleine. Donc nous avons adressé un premier mailing en octobre à une dizaine d'éditeurs. Et ensuite, quand on aura donc la réponse des éditeurs, il s'agira de constituer un dossier de candidature, ce qui implique de demander les droits aux différents auteurs qui ont contribué à la revue. Donc vous imaginez que c'est un travail assez important. Et enfin, donc on pourra réunir une collection complète qui sera envoyée à Percé pour être numérisée. Donc voilà pour les deux grands projets qui s'appuient finalement sur ce que le PCP droit a pu développer en termes de réseau, en termes de compétences et d'expertise, et dont le but final est quand même de porter sur le devant de la scène les publications juridiques, travailler à leur préservation, puisque numériser, c'est aussi conserver d'une certaine manière. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Merci encore à la Cour de cassation d'avoir rejoint le plan et de nous offrir cette opportunité de communication. Parce que, bon, en général, on présente les plans de conservation plutôt à des professionnels des bibliothèques, assez rarement à des magistrats. Donc, c'était une expérience assez intéressante. Merci pour votre écoute. Bien, nous allons passer maintenant à la Bibliothèque nationale. Donc, Sophie Bertrand, chef du service coopération numérique et Gallica. Claire Chomel, conservatrice, Bibliothèque nationale de France, service de la coopération numérique et Gallica, sur le sujet, le programme national de numérisation concerté en sciences juridiques, bilan et perspective. Merci. Normalement, dans quelques minutes, vous en saurez beaucoup plus. Sur le bouton, voilà. Merci d'abord pour cette invitation et nous donner l'opportunité de parler de la contribution de la Bibliothèque nationale de France pour diffuser les ressources patrimoniales en sciences juridiques. Donc pour situer un peu d'où l'on parle, donc le service de coopération numérique et Gallica est au sein du département de la coopération de la Bibliothèque nationale de France, et ce n'est pas un hasard puisque Gallica est la bibliothèque numérique de la BNF, c'est-à-dire des fonds de la BNF. Vous avez en termes sur les 10 millions de documents qui sont diffusés sur Gallica, 80% proviennent des fonds de la BNF, mais 20% proviennent de plus de 170 institutions partenaires françaises. Donc Gallica est un outil numérique de diffusion patrimoniale qui a une identité collective et c'est très identitaire à cet outil.
Et c'est d'ailleurs une volonté stratégique, que ce soit dans le contrat de performance de l'institution. Nous construisons cet outil depuis 25 ans en animant un réseau de partenaires, et parmi ces partenaires, évidemment, des acteurs du domaine des sciences juridiques. Au niveau des sciences juridiques, vous avez évidemment au niveau de la direction de la collection le département droit, économie, politique qui aura la charge de la conservation et de l'enrichissement des collections ayant trait notamment en droit. Et puis vous avez la coopération numérique, donc mon service. Vous avez des métiers comme représente Claire Chemel ici présente, de chef de projet et coordinatrice scientifique qui ont la charge de construire de matière rationnelle, raisonnée et concertée des ressources documentaires dans différents domaines. Donc aujourd'hui, évidemment, nous allons vous parler du programme en sciences juridiques, mais il faut savoir que plusieurs programmes existent en histoire de l'art en lien avec l'Institut national d'histoire de l'art, en sport, en histoire du sport, en vue des JO 2024, bien évidemment. Et donc on a une dizaine de programmes de numérisation concertés, dont un des plus anciens est celui qui a trait à l'histoire des sciences juridiques. Pourquoi nous nous lançons dans ces programmes? Tout d'abord pour essayer de construire non pas voilà, une bibliothèque exhaustive, mais une bibliothèque choisie et raisonnée. Nous ne numérisons pas tout, de la même manière qu'il a été dit en introduction de ce colloque, qu'il ne s'agit pas de tout lire, mais il s'agit de bien lire. On va dire que pour la numérisation, c'est un peu le même objectif, ce qui normalement nous évite la folie de la numérisation, si comme les catalogues, folie il y a. Donc ces programmes donc est un remède assez parfait, quand même, puisqu'il y en a qu'on suit depuis plus de 15 ans, pour nous permettre de construire une offre dite rationnelle. L'objectif, c'est évidemment dans un écosystème qui est l'écosystème du web. Donc c'est de mettre en ligne un ensemble significatif d'un patrimoine dans un domaine donné, donc ici juridique, en langue française, ça c'est extrêmement important. Gallica, comme son nom l'indique, est majoritairement francophone et, comme sa politique documentaire le précise, met en ligne des documents qui sont tombés dans le domaine public. Donc on échappe à la règle du droit d'auteur puisqu'elle devient caduque, ou quand on est confronté, ce qui peut arriver pour des revues spécialisées, on entre dans des phases de négociation qui sont souvent positives, notamment pour les têtes de collection de revues qui ont une certaine historicité, où la tête de collection jusqu'à une date barrière, qui peuvent être les années 2000 ou années 2010 ou 2015, sont versées dans Gallica. Donc la production contemporaine, vous ne la trouvez pas dans Gallica. Donc ça aussi c'est importante, puisque dans l'écosystème en ligne, il faut bien connaître aussi ce qui définit chaque plateforme. Chaque plateforme est aussi un paramétrage des ressources que vous allez y trouver. La question de la langue, elle est évidemment importante, puisque c'est aussi une stratégie culturelle que le web ne soit pas majoritairement ou que anglophone, notamment. Et donc, pour aussi la question juridique, la question aussi de la nature du droit, que le droit français soit aussi visible que le common law. Donc, lorsqu'on fait une opération de numérisation, évidemment, en tant que bibliothèque nationale, comme la plupart des acteurs présents ici de la conservation, c'est un acte de conservation. Donc, c'est créer un avatar qui permet d'avoir un accès à la ressource. Mais c'est aussi une volonté politique. Une volonté politique de comment on s'inscrit en tant qu'acteur public. On a évoqué aussi l'open data. Gallica est libre et gratuit. Et comment on orchestre les ressources pour qu'on puisse comprendre pourquoi on trouve ces ressources ici et pas ailleurs et qui les dispose. Puisque une bibliothèque numérique comme une bibliothèque, c'est aussi un art de la structuration et de la disposition. Tout préalable à un programme de numérisation concerté, ça a été évoqué aussi en début d'après-midi, c'est évidemment les catalogues, le signalement, la rétroconversion. Tout corpus, aussi important soit-il, s'il n'a pas sa carte d'identité, s'il n'est pas identifié, il ne pourra pas avoir une visibilité sur le web. D'autant plus important sur le web qu'on a deux registres d'informations. On a une information
aux documents, ça on le comprend bien, les documents mis en ligne, c'est la logique de Gallica, mais on a aussi une logique de flux de données, de flux de data. Et aujourd'hui, la métadonnée est bien sûr aussi importante d'un point de vue stratégique, économique, bibliothéconomique, que la donnée en tant que telle. L'IA rentre évidemment en ligne de compte dans le cadre de la politique de Gallica, puisque nous avons un projet de fouille d'images qui permet d'aborder cette question pour nos 10 millions de documents. Il faut savoir que la recherche et le développement, et notamment l'IA, c'est un jeu d'entraînement, et quand on s'entraîne, on faillit. Donc on l'a vu aussi avec la présentation précédente sur le projet universitaire. Il y a des points d'attention justement sur les effets de bord et les failles algorithmiques, et vous doutez bien sur que les corpus juridiques, une attention particulière doit y être portée. Donc vous avez tout un continuum entre cette fiche papier qui a été évoquée, voire ces catalogues manuscrits, jusqu'à ces flux de données mis en ligne en open data sur les API, où en fin de compte l'acteur bibliothécaire, bibliothéconomique, est assez central. Donc c'est dans ce cadre-là que nous montons ces programmes. Le programme en sciences juridiques est un programme qui date de 2008. Donc on parlait aussi de temps long en introduction à ce colloque. À l'échelle de la numérisation, le programme en sciences juridiques se fait depuis longtemps. Le partenaire naturel en introduction de ce programme a été bien évidemment la bibliothèque interuniversitaire CUJAS, qui a été le copilote pendant plusieurs années de ce programme. Et on a paramétré en fait ce programme pluriannuel de manière avec une convention, ce qu'on appelle un accord cadre, pour définir les objectifs. Donc j'ai parlé d'un objectif de diffusion libre et gratuite, d'une sélection documentaire raisonnée, et puis aussi de moyens alloués. C'est pour ça qu'il faut une volonté politique, parce que sans aucune volonté politique, pas de moyens alloués, et donc peu de mise en ligne effective. D'un point de vue d'appui aussi des acteurs publics, évidemment le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur ont appuyé ce programme. Aujourd'hui, il est toujours aussi actif, comme vous le présentera Claire après un bref bilan, avec un copilote qui est la Cour de cassation qui nous accueille et pour lequel on a des axes de construction en cours. Alors comment documentairement on a démarré ce projet, puisque réunir sur une même plateforme ou par l'interopérabilité les ressources du droit, il faut bien arriver à tirer un fil. Donc on a tiré deux fils. Alors sur une logique commune qui s'appuie sur un comité scientifique qui lui-même s'appuie sur des préconisations d'universitaires, la bibliothèque CUJAS s'est appuyée sur une liste qu'on appelle la liste Pfister-Rumi, des noms des deux universitaires qui ont établi une liste de documents incontournables pour constituer la base de ces ressources en droit. Et au niveau de la BNF, Yann Kerbrat, qui est donc professeur à Aix-Marseille, a mis en place un groupe de travail de 14 universitaires avec lui pour établir aussi une liste de monographies et de périodiques. Et ça a constitué une première feuille de route de numérisation. Cette numérisation, où là on a une décision a priori de ce que l'on va numériser, a été aussi complétée par une stratégie d'opportunité, c'est-à-dire que la communication autour de l'existence de ce programme de numérisation concertée, avec l'appui des copilotes, que ce soit CUJAS auparavant et la Cour de cassation actuellement, permet aussi à certains acteurs, que ce soit des bibliothèques universitaires ou des institutions d'État, de se positionner pour aussi une politique de complétude de corpus. Dans notamment des périodiques, peut y avoir des numéros manquants, etc. Et donc peut y avoir aussi une candidature spontanée lorsqu'ils connaissent ce programme pour se constituer pourvoyeur de documents pour la numérisation. Donc vous avez à la fois une orchestration scientifique avec l'appui des sachants, donc les comités scientifiques, les praticiens, les universitaires, ce qui nous permet aussi d'avoir toujours une attention portée aussi sur la question des usages, on l'a vu aussi dans les questions qui ont été posées dans l'interlude. On a évidemment une question de moyens, cette question de moyens, elle a été possible notamment avec la numérisation de masse,
qui a occupé la BNF plusieurs années, on va dire de 2011 à 2018, et avec un dispositif porté à l'époque par le Centre national du livre, qui permettait que la BNF numérise l'équivalent de 30% des documents imprimés sur ces marchés provenant d'institutions partenaires. Le programme en sciences juridiques, au même titre que les autres programmes que nous conduisons, ont pu bénéficier de ce dispositif. Autre dispositif classique de la Bibliothèque nationale de France pour sa coopération numérique, c'est une politique de subventionnement. Politique de subventionnement qui permet donc à des institutions partenaires de conduire eux-mêmes des projets de numérisation, avec évidemment une convergence sur des référentiels techniques avec les référentiels de la BNF, et avec une promesse tenue heureusement de livraison d'Angelica, d'intégration ou d'interopérabilité, c'est-à-dire la visibilité des métadonnées des documents numérisés sur Gallica. Et puis troisième dispositif qui témoigne aussi du temps long de l'entreprise de numérisation. Plusieurs institutions ont procédé déjà à des numérisations et ont sur des disques durs des fichiers numériques, mais pas forcément la plateforme pour les diffuser. Et donc on intègre aussi des fichiers numériques pour pouvoir les diffuser dans Gallica. Donc voilà à peu près comment nous fonctionnons sur cet aspect. La sélection documentaire permet, donc sur des pages dédiées au programme de numérisation, de présenter aussi bien des ressources ayant trait à la législation et à la réglementation, aux différentes doctrines. Donc vous pouvez voir aussi bien du droit constitutionnel, commercial, civil, pénal, du droit coutumier local. Donc ça, ça a été aussi très important et très attendu au niveau de la jurisprudence de différentes régions. Donc la plupart des régions d'ailleurs y sont représentées. Et puis en lien notamment avec Criminaux Corpus et puis Lyon 1, des corpus qui ont trait à tout ce qui est crime, peine, prison. Donc évidemment, c'est rationnel, c'est raisonné, c'est assez important puisqu'aujourd'hui on a à peu près 10 millions de pages qui sont quand même en ligne, mais c'est imparfait, ce qui est le propre de quelque chose qui est réalisé ou en cours de réalisation. Une dynamique, c'est évidemment quelque chose qui se fait, et c'est aussi tout ce qu'il reste à faire, et c'est ça aussi qui est le sel de nos métiers. Donc ce qui est important dans un programme au long cours, et c'est pour ça que le temps long il est important, c'est qu'on observe l'usage. On laisse le temps aussi à des acteurs d'avoir l'opportunité de participer à ce projet. Et puis, le temps long permet aussi de libérer les droits, puisque pendant ce temps, eh bien, vous avez aussi des périodiques ou des monographies qui s'élèvent ou tombent dans le domaine public, ça dépend comment on voit les choses, et qui permettent de les numériser dans Gallica. Les partenaires de ce programme sont à l'image des partenaires de Gallica, c'est-à-dire c'est une diversité de partenaires. Donc évidemment sur la question de la législation et de la réglementation, nous avons les deux chambres qui sont présentes, l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons aussi, je crois, voir la présence de ce partenaire, le ministère des Affaires étrangères qui y participe, la Cour de cassation, bien évidemment. Nous avons aussi des structures spécifiques, notamment l'École nationale d'administration pénitentiaire, qui est un partenaire de longue date, et l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, qui a rejoint le programme. Les bibliothèques universitaires, à l'instar de CUJAS, qui a été avec nous à l'initiative de ce programme, sont évidemment très présentes pour la constitution de ces corpus et pour aussi prêter les documents qui puissent être numérisés. On va chercher les fonds là où ils sont. Ça, c'est une évidence. Et quand je dis on va chercher les fonds là où ils sont, c'est-à-dire aussi selon leur état. Il faut que les documents physiques puissent assurer une bonne numérisation. Donc, on évite les doublons. Et à deux exemplaires présents dans deux institutions, BNF par exemple ou Cour de cassation, c'est possible, on va prendre l'exemplaire qui est le plus éligible à l'opération de numérisation. Et on a aussi le levier des bibliothèques municipales, qui sont notamment la ville de Paris, Poitiers ou Troyes, qui sont des acteurs importants de ce programme. Donc on le voit,
Le maillage, déjà, il est interministériel, puisqu'en fin de compte, si on veut constituer des ressources raisonnées, on ne va peut-être pas fonctionner par nature d'acteurs, mais plutôt par pertinence des fonds. Ensuite, c'est aussi vecteur d'une dynamique de réseau. Évidemment, on est complémentaire pour éviter aussi la redondance avec d'autres dispositifs existants, comme il a été évoqué notamment par le MESR, donc des numérisations qui se passent aussi côté collecte percée. Donc ça, l'interopérabilité permet de ne pas numériser deux fois. Et puis, la politique territoriale qui est très portée notamment par le ministère de la Culture nous permet des trouvailles, une dynamique de territoire qui alimente un projet national. Et ça aussi, c'est important. Il n'y a pas de petits ou de grands partenaires, en fin de compte, quand on construit une collection numérique en ligne. Il y a des partenaires qui ont envie de faire et des partenaires qui ont une sensibilisation au patrimoine qui fait qu'on peut construire ces ressources. Je vais laisser la parole à Claire Chemel, qui va aller plus avant dans ce programme, notamment en vous dressant un synthétique bilan, et puis les perspectives qui vont nous occuper dans les années à venir. Merci Sophie. Alors, dans le temps qui me reste imparti, je vais essayer de vous présenter un petit bilan rapide de ce que nous avons fait donc, dans ces 15 dernières années, et puis esquisser les pistes pour les années à venir. Donc, comme Sophie l'a mentionné, le programme a permis la mise en ligne de plus de 10 millions de pages de documents numérisés concernant les sciences juridiques sur Gallica. C'est réparti à peu près moitié-moitié entre les collections de la BNF et celles de ses partenaires. Et ce serait très fastidieux de décrire la variété et la richesse de ces corpus, puisque on va aussi bien d'un coutumier du 15e siècle à une revue du 20e, d'un factum de quelques pages, à un journal officiel qui s'étend sur plusieurs décennies. Voilà, les œuvres des grands noms de la doctrine, des thèses, des recueils, voilà, les actes royaux. Voilà, le mieux, en fait, c'est d'aller soi-même visiter l'accès qui en est proposé sur nos pages essentielles du droit. J'aurais voulu vous faire une petite démonstration, mais apparemment Firefox ne veut pas afficher Gallica. Donc vous aurez le lien, je pense, a posteriori. Donc voilà, ces pages sont réalisées par, principalement par les collègues du département droit, économie, politique, mais nous enrichissons pour ce qui concerne les collections partenaires. Donc voilà, plongez dedans. C'est un petit peu un tonneau qu'on a rempli donc depuis 15 ans et sans le valoriser, sans le rendre visible, c'est comme si ça n'existait pas. Donc nous avons un accent mis surtout ces dernières années, je pense de plus en plus dans les années qui vont venir, sur l'importance de la valorisation et le signalement de ces documents numérisés. Que ce soit en ligne, dans l'écosystème Gallica, par exemple, on fait à peu près 5 à 10 billets par an sur le blog de Gallica sur des thématiques juridiques, par des mises en avant sur les réseaux sociaux, par des lives, des vidéos. Voilà, il y avait eu, par exemple, ce live sur la police de la vente des huîtres, peu de temps avant Noël 2020. Ça fait beaucoup plus, mais aussi des choses entre guillemets dans la vraie vie, les rencontres de Gallica. Il y en avait une qui avait été organisée pour les sources du droit coutumier dans Gallica il y a quelques années, et la participation donc à des journées d'études et colloques. Je pense par exemple au colloque annuel droit et etc., puisque ça change chaque année, organisé par la BNF avec Paris Nord et l'Université d'Orléans, qui sont l'occasion de mettre en avant ces ressources. Alors, qui nous consulte? On reçoit, donc voilà, ce sont les statistiques de consultation des pages essentielles du droit
pour l'année 2022, qui sont les dernières statistiques dont nous disposons. Donc on peut voir que plus de 40 000 visites par an pour ces pages, ce qui est très satisfaisant, et c'est un chiffre qui est en croissance continue depuis la création de ces pages. Et d'une année à l'autre, on constate que les rubriques les plus consultées sont toujours à peu près les mêmes. Des fois, je joue un peu aux chaises musicales, mais la jurisprudence est la vedette de ces pages. Et sur le blog Gallica, notre champion, le billet de blog le plus consulté du blog de Gallica, c'est un billet qui concerne les sciences juridiques depuis plusieurs années. C'est chercher trouver un décret de naturalisation, surtout depuis certains pays. Même si le journal officiel d'Angalica est également pas très très loin derrière. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'importance en fait de la valorisation, que ce soit par la BNF ou par les partenaires. Il y a vraiment un lien qu'on peut voir entre la mise en avant d'une collection ou d'un document sur les réseaux sociaux ou par d'autres publications internet et les consultations après sur Gallica. Donc ça nous renforce dans notre envie de continuer à mettre en avant la valorisation. Alors après ce petit bilan succinct, je voudrais esquisser quelques perspectives donc pour les années 2024 et suivantes, puisque nous fonctionnons par plan triennaux sur le programme. Et donc là, le plan actuel, c'est le plan 2022-2024, mais je pense que nous continuerons sur les mêmes pistes. Nous avons choisi avec les membres du comité scientifique deux grands axes de travail pour les années à venir que nous souhaitons privilégier. Donc le premier étant, bon, le titre est encore en discussion, droit colonial, droit des anciennes colonies françaises, voilà, c'est un petit peu épineux. C'est une thématique dont on a remarqué qu'elle était de plus en plus présente au sein du programme et pour lesquelles nos publics ont vraiment une attente forte. La francophonie consulte beaucoup, beaucoup Gallica, et notamment pour les documents, la documentation juridique, les pays du Maghreb sont vraiment... sur certains fonds, en fait, ils nous consultent plus que les lecteurs français, en fait. Donc il y a vraiment une attente et nous souhaitons donc continuer à numériser à la fois les sources pour le droit, principalement les publications officielles, mais aussi les études et les travaux sur le droit. Je pense par exemple au travail qu'on est en train de mener actuellement sur un de nos marchés, sur le fonds Arthur Giraud de la Bibliothèque universitaire de Poitiers. Alors, pour le moment, on s'est limité au Second Empire colonial français, incluant protectorat et mandat, ce qui est déjà un gros morceau. Mais nous ne nous interdisons pas, après, peut-être de remonter vers Saint-Domingue, le Canada. Voilà. Donc, pour ce faire, nous vous souhaitons continuer à enrichir les corpus sur Gallica, c'est-à-dire continuer à numériser principalement les publications officielles, notamment pour combler les lacunes des titres qui sont déjà disponibles. Et sur ces deux fonds, je remercie les collègues de CUJAS et du ministère des Affaires étrangères qui nous ont proposé de belles sélections. Il nous faut aussi identifier les ressources qui feraient défaut en ligne, et c'est là où le comité scientifique a un rôle important à jouer, en nous signalant vraiment les manques criants, apparemment, qu'il y a encore. Et bien sûr, nous sommes toujours à l'affût de nouveaux gisements documentaires numérisables avec lesquels établir des projets. Et puis, après numérisation, vient forcément la valorisation. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été numérisées sur ces thématiques, mais malheureusement qui ne sont pas forcément assez repérables, assez connues, et pas toujours faciles à trouver, même quand on s'y connaît dans Gallica.
Donc nous voulons en faciliter l'accès d'Angelica, les faire connaître ses corpus, voilà, les rencontres, les billets, etc. Et nous aimerions bien, à quel horizon, 2024, fin 2024, 2025, peut-être proposer une journée d'études sur ces collections. Et deuxième axe de travail, alors vous avez pu voir que dès les débuts du programme, il y avait un axe qu'on appelle crime, peine, prison. Beaucoup de choses donc déjà numérisées, que bien sûr nous allons continuer à soutenir, chercher de nouveaux gisements. Mais ce qui pêche pour le moment, c'est la valorisation et l'identification de ces fonds déjà accessibles via Gallica. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses déjà numérisées, mais malheureusement, qui ne sont pas assez connues. Donc, nous voudrions faire un repérage et un peu une cartographie de ces ressources accessibles dans et via Gallica pour créer des pages spécifiques dans les sélections essentielles du droit, comme il existe déjà, par exemple, pour le droit coutumier ou la jurisprudence. Et là aussi, voilà, utiliser nos outils habituels de valorisation avec un point de vigilance important, c'est ne pas doublonner le travail déjà réalisé par l'équipe Clamor du CNRS avec sa bibliothèque Criminocorpus, qui en plus est moissonnée en partie par Gallica. Donc, il va falloir mener un travail fin. En dehors de ces deux axes, je vais mentionner quelques pistes de travail que nous avons déjà définies. Beaucoup de factums sont déjà accessibles via Gallica, que ce soit à la BNF ou dans les collections des partenaires. Donc la BNF a commencé à valoriser ces factums, mais ceux des partenaires, je pense par exemple au Grand Fonds de Clermont-Ferrand ou de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, ne sont pas bien signalés et pas suffisamment valorisés. Donc j'aimerais assez vite pouvoir mettre ça en place. Un travail qui est en place depuis longtemps et qui, je pense, va nous occuper encore très, très, très longtemps, la numérisation des impressions parlementaires, donc Assemblée nationale et Sénat, puisqu'il nous reste, je crois que les archives de l'Assemblée nationale ont chiffré, il nous reste 1 million de pages à numériser encore. Donc c'est un travail d'une vie. Corpus plus facile, le corpus des thèses de droit qui sont disponibles sur Gallica ou via Gallica. J'ai repéré à peu près un petit peu plus de 5000 thèses du 19e et 20e siècle qui, pour le moment, en fait, se passe vraiment sous le radar. Nous souhaitons travailler, comme le mentionnait Sophie, les métadonnées. Ça devient un petit peu le nerf de la guerre maintenant sur les bibliothèques numériques, à une meilleure indexation au niveau du catalogue de la BNF et ensuite étendre avec les partenaires qui le voudront bien pour pouvoir faire remonter, j'allais dire d'un simple clic, vous verrez toutes les thèses en sciences juridiques qui arriveront. Et bien entendu, nous sommes toujours intéressés pour créer de nouvelles relations de partenariat, lancer de nouveaux projets et découvrir de nouveaux fonds qui nous auraient échappé pour le moment. Donc, toujours partant. Voilà, merci de votre attention. Bien. Dernière session de questions de la part du public. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, alors je vais ouvrir le débat. Je voulais poser deux questions. La première, c'est aux intervenants de tout à l'heure sur donc CUJAS. Est-ce qu'il y a un moyen, lorsqu'on interroge le catalogue, de savoir qu'un document est conservé à CUJAS ou ailleurs ? Est-ce qu'il y a l'indication de la conservation autre ? Alors, votre question est double. Alors, d'une part, il faut savoir que toutes les bibliothèques universitaires de France sont signalées dans le catalogue SUDOC,
l'accès collectif. Et dans ce catalogue, vous avez pour chaque notice les localisations en fait de ces documents. Donc vous pouvez voir, c'est le second onglet, ça s'appelle Où trouver ce document. Vous avez la liste de tous les établissements qui possèdent le document en question. Et quand c'est un document, un titre qui est conservé dans le cadre d'un PCP, vous avez en outre la mention PCP, droit, philo, qui indique que non seulement l'établissement possède ce titre, mais en plus il est conservé dans le cadre d'un plan de conservation. Question supplémentaire, quand on a un document qui est indiqué comme étant à tel endroit ou existant dans telle ou telle bibliothèque, parce que c'est ce que donne le SUDOC, est-ce qu'il est indiqué si le texte est numérisé ? Une autre question. Hein, c'est complètement différent. Alors, ça peut rejoindre. Est-ce qu'on indique que c'est dans Galita et numérisé ? Alors, ce n'est pas indiqué au même endroit, c'est toujours dans le SUDOC. Vous avez également dans le SUDOC qui t'a indiqué les numérisations sur votre support. Donc, vous avez Gallica qui a enseigné. Vous avez. C'est un petit peu incomplet. Je vais te laisser, Sylvain, vous en parler parce qu'il est plutôt expert. Hein. Alors, pour répondre à votre question, donc, dans le SUDOC, effectivement, en théorie, toutes les numérisations sont indiquées. Donc, si c'est un périodique électronique, c'est-à-dire l'équivalent d'un titre vivant publié numériquement, il sera indiqué. Et si c'est une reproduction numérique sur Gallica, oui, ce sera indiqué aussi. En théorie, si le SUDOC est bien fait, bon, on peut voir certaines lacunes, notamment dans les choses les plus vivantes. Mais au-delà, il peut y avoir des choses qui passeront au travers de cette indication, notamment des articles qui seront directement dans des archives style HAL, donc la revue ne sera pas identifié en tant que tel dans la base d'archives. Par contre, les articles y seront, en fait. Donc, voilà. Merci. Et la même question, pas la même question, mais j'imagine la difficulté que vous pourriez avoir à la BNF pour la numérisation des factums. Parce que c'est très difficile de les repérer. Moi, je sais que j'avais fait une recherche dans les catalogues papier de la BNF il y a longtemps, j'avais trouvé énormément de choses. Vous avez l'intention de numériser tous les factums, normalement ? Alors, je crois que c'est les collègues donc, du département droit, économie, politique, et que pour le moment, je ne sais plus, je crois qu'ils en ont repéré 14 000. Je ne pense pas qu'ils aient tout repéré. Il y en a qui sont encore dans d'autres départements, les vicissitudes de l'histoire des collections. Je pense par exemple à ceux qui se trouvent à la réserve des livres rares. C'est un travail, c'est un peu comme les actes royaux aussi, on en a encore beaucoup plus que ceux qui sont déjà catalogués et numérisés, donc c'est un travail de long cours. Et en même temps, c'est un travail essentiel pour les historiens, oui. C'est vraiment essentiel, parce que c'est très difficile à repérer, bon, on peut toujours consulter dans les salles de l'ABN, mais si vraiment, alors je peux vous donner un exemple, quelque chose qui va vous quelque peu vous réjouir dans un certain sens, mais je sais très bien qu'il faut encore poursuivre la diffusion, montrer à quoi cela peut servir, ça c'est très très important, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas tout ce qu'il y a sur Gallica. Il m'est arrivé de faire une recherche pour identifier, à partir d'un livre, de deux chapitres d'un livre, les éléments du début du XVIIe, d'essayer de retrouver les textes qui étaient cités, avec des abréviations parfois fantaisistes. Alors c'était il y a quelques années, mais c'est pas récemment, mais c'est pas il y a très longtemps, donc Gallica a exercé. J'ai quand même pu, donc c'était de la documentation très spécialisée, architecturale, et du juridique aussi, puisque c'était véritablement à travers un ouvrage qui était un ouvrage d'architecture, il y avait deux chapitres sur le droit. Et j'ai réussi, avec uniquement l'ordinateur, à visionner, via Gallica en particulier, 70% des textes qui étaient cités. Et c'est beaucoup, 70% des textes. Il a fallu que j'aille à la BN pour le reste. Aujourd'hui, peut-être que je pourrais tout voir. C'est assez fabuleux, quand même. La finalité de cette numérisation est exceptionnelle, je trouve. Évidemment, elle doit être poursuivie. Et pour, je vous laisse. Ouais. Pour trouver, il y a plusieurs choses. Il y a la question du signalement, donc ça, c'est sûr. Donc, trouver les gisements. Et ça, on ne peut le faire qu'ensemble et avec le temps, parce qu'en fin de compte, la recherche, c'est chercher.
Donc ça, la numérisation ne réglera pas tout, et tant mieux d'ailleurs pour tout ce travail merveilleux universitaire. La seconde chose, c'est le référencement aussi. Hein, donc, puisque quand même, la plupart des... Évidemment, plusieurs passent via le catalogue des bibliothèques ou via le moteur de recherche bibliothèque numérique, mais beaucoup passent par un moteur de recherche hégémonique américain. Hein, c'est quand même, si on regarde l'usage et les statistiques, c'est quand même ça. Et donc, la question du référencement, elle est importante, et des règles de référencement. Et la troisième chose qu'évoquait Claire, c'est le travail sur l'indexation sujet. Et ça, en termes juridiques, il y a vraiment des enjeux de table de correspondance, de terminologie, et puis aussi de pont, parce que vous avez évoqué hein, l'interdisciplinarité, ce pourquoi d'ailleurs c'est assez logique quelque part qu'on ait un programme de numérisation concerté en sciences juridiques dans Gallica qui est pluridisciplinaire, et après comment par le biais de la valorisation ou de l'indexation sujet, on rentre dans le nœud gordien qui est les ponts et les relations entre différents sujets. Donc ça c'est des choses qu'on peut travailler, c'est des choses où évidemment... Enfin, l'intelligence, l'entraînement sur des machines. Voilà, moi, l'intelligence artificielle, c'est un peu trop large pour moi aujourd'hui. L'entraînement sur des machines, comme ça, le périmètre, on l'a tout de suite en tête, pourra aussi aider à ça. Mais l'entraînement sur des machines, ce n'est pas que des machines. L'entraînement sur des machines, c'est énormément de gens qui corrigent et énormément de gens qui évaluent. Donc il n'est pas étonnant aussi que les enjeux de l'intelligence artificielle aient été pris par des acteurs privés qui ont beaucoup de sous, parce que ce n'est pas seulement une volonté politique, c'est aussi une volonté de réunir énormément de gens différents autour de la machine. Je vous ai laissé le temps de réfléchir, de poser des questions. À conclure. Merci beaucoup. Oui, je voulais juste dire que nous avons un grand honneur de céder la parole à Xavier Préteau, que j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune étudiant, et doyen honoraire de la Cour de cassation. Merci. Merci, Monsieur le Président. Il n'est guère aisé de conclure au terme d'une demi-journée marquée par la diversité et la qualité des interventions qui se sont succédées et des débats auxquels ont donné lieu. Je dirais simplement que les travaux de notre après-midi témoignent, si besoin était, de l'intérêt, de l'utilité, de la réflexion sur l'importance tout à la fois de la documentation juridique au sens le plus large du terme pour le bon accomplissement des missions imparties à la Cour de cassation et du rôle exerçant la matière par la bibliothèque de la Cour de cassation. Alors, vous doutez bien que je ne vais pas, surtout à cette heure qui est un peu tardive, revenir sur les différents éléments, les informations, les enseignements, les interrogations que nous ont livrées cet après-midi les orateurs qui se sont succédés à la tribune. Permettez-moi simplement des réflexions d'ensemble et plus précisément trois séries de réflexions consacrées plus directement à la bibliothèque de la Cour de cassation, puisque cette journée marquait aussi pour nous le 30e anniversaire de l'association de soutien donc aux livres anciens, à l'entretien, à la restauration des livres anciens de la bibliothèque. J'ai tendance à dire l'association qui réunit les amis de la bibliothèque de la Cour de cassation. Première réflexion pour revenir sur l'histoire de celle-ci. Elle est un peu évoquée par les uns ou par les autres au cours de cette journée. Permettez-moi simplement de revenir sur quelques dates. Ce qui est intéressant dans l'histoire de la bibliothèque, c'est qu'elle apparaît très rapidement. Le tribunal de cassation, vous le savez, est institué en 1790. Il tente de s'installer d'ailleurs dans des locaux qui sont à peu près ceux du Quai de l'Horloge, même s'ils ne sont pas les actuels locaux qui ont été construits et reconstruits et restaurés ultérieurement. Mais l'installation est un peu délicate puisque dès fin 1792, début 1793, le tribunal de cassation est en quelque sorte chassé de ses locaux. Il trouve refuge dans les locaux des facultés, des écoles de droit, comme on disait à l'époque, du côté du Panthéon, pour laisser la place au tribunal révolutionnaire. Et d'ailleurs, si vous me permettez l'anecdote, Fouquier-Tinville, l'accusateur public de sinistre mémoire du tribunal révolutionnaire, a beaucoup œuvré à chasser le tribunal de cassation. Ce n'était peut-être pas gratuit parce que 18 mois plus tôt, il avait candidaté à l'emploi de secrétaire greffier du tribunal de cassation
et sa candidature n'avait pas été retenue. Toujours est-il que le tribunal révolutionnaire, après les exploits que l'on connaît, disparaît et le tribunal de cassation regagne les locaux. Et assez rapidement, on l'a évoqué, Merlin de Douai, qui ne savait peut-être pas encore qu'après 1800, il deviendrait une sorte, avec Honoré Murer à la première présidence, lui à la direction du parquet, d'abord sur le terme de commissaire du gouvernement, puis sur celui de procureur général impérial, l'une des deux chevilles ouvrières du tribunal, puis de la cour de cassation, sous le consulat, puis l'empire, y compris les 100 jours. Merlin de Douai, donc, ministre de la justice de la convention thermidorienne ou du directoire, il était sous les deux, suggère en 1796 au tribunal de cassation de rechercher les lieux où installer une bibliothèque et les personnes qui pourraient s'en occuper. Et c'est ce qui sera fait, puisque le tribunal de cassation se réunit et, par des délibérations de ses sections, décide donc d'instituer une bibliothèque qui sera placée sous la direction de membres du tribunal, on n'est pas encore à la cour, à charge pour eux de désigner ce qu'on n'appelle pas encore un conservateur, ni même un bibliothécaire. Alors, on l'a rappelé, le premier fonds est constitué par l'attribution, par un arrêté du directoire, de l'ancien fonds de la bibliothèque de l'ordre des avocats au Parlement de Paris. Le Parlement de Paris était dissous comme l'ensemble des corporations en 1790, et cela d'ailleurs nourrira un contentieux assez long entre le barreau de Paris et le tribunal puis la cour de cassation, puisqu'il faudra attendre les premières années du XXe siècle pour que l'on trouve sur finalement la pérennisation de cette attribution du fonds un gentleman agreement qui sera entériné sous l'autorité de Louis Barthou, alors ministre de l'Instruction publique. Les fonds se développent, on l'a souligné, avec notamment l'attribution de fonds tirés d'un certain nombre d'organismes publics, parapublics, religieux et autres, qui avaient été saisis à l'occasion de la Révolution française et qui finissent par constituer parallèlement un fonds essentiellement juridique, ce qu'il était longtemps convenu d'appeler le fonds encyclopédique. Parallèlement, le tribunal de cassation recherche un bibliothécaire. Il le trouve d'abord en la personne du citoyen Malherbe, comme on dit dans les procès-verbaux de l'époque. Celui-ci reste assez peu longtemps, moins de 2 mois, et il est remplacé ensuite par Jean-François Le Breton, en 1 ou 2 mots, le nom change selon les périodes, et qui lui restera en fonction de 1800 à sa mort en 1829. J'ajoute, là aussi, ça rappelle l'époque, le citoyen Malherbe que Le Breton étaient d'anciens bénédictins rendus à la vie civile par la Révolution française. Ce qui est intéressant, si on regarde un peu cette période, c'est de constater que durablement, c'est-à-dire jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Cour de cassation était en quelque sorte pleinement maîtresse de sa bibliothèque, la bibliothèque étant un service de la Cour de cassation et échappant à toute tutelle extérieure. C'est ainsi d'ailleurs que le tribunal de cassation puis la Cour de cassation adoptent un règlement interne pour le service du tribunal de cassation, dans lequel il est dit simplement que la bibliothèque est placée sous l'autorité du premier président, lequel désigne un conseiller pour assurer la direction, l'autorité directe au nom du premier président, et désigne un bibliothécaire ou un conservateur, enfin propose à la désignation du premier président un bibliothécaire ou un conservateur. C'est ainsi d'ailleurs que Le Breton sera confirmé. Et tout ceci fonctionne dans ces conditions. La Cour de cassation n'est pas la seule institution dans ce cas, dans ce contexte. Tout ceci fonctionne jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où les choses ont évolué parce que interviennent l'adoption du statut général de la fonction publique de 1946 et, dans la foulée, l'édiction des très nombreux statuts particuliers des différents corps et cadres d'emploi de la fonction publique. Et parmi ceux-ci, c'est un décret de 52, sont fixés les statuts particuliers des personnels et notamment des bibliothécaires et conservateurs des bibliothèques publiques, dont il est précisé qu'ils ont vocation à exercer leur activité, notamment, bien sûr, dans les bibliothèques universitaires, mais aussi dans un certain nombre de bibliothèques rattachées directement
au ministère de l'Instruction publique, comme on disait encore, à travers une direction qui avait été refondue juste après-guerre, l'ancienne direction générale des Beaux-Arts, qui comporte maintenant une direction des bibliothèques et la lecture publique. Et ce qui est intéressant du décret de 52, qui est un décret statutaire, c'est qu'il procède d'abord à l'abrogation pour partie de l'article 82 de la célèbre ordonnance de 1826 par laquelle le gouvernement avait fixé le règlement et les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Cour de cassation, et qui précisait que la bibliothèque était donc placée sous l'autorité du premier président et d'un conseiller désigné par lui, et qu'elle était dotée d'un conservateur désigné par le premier président sur proposition du conseiller chargé de la bibliothèque. Et le décret de 52, décret statutaire, précise que les dispositions de cet article 82 de l'ordonnance de 1826 sont abrogées en tant qu'elles concernent la désignation du conservateur. Et depuis, et la disposition figure dorénavant dans le code d'organisation juridiciaire, il est toujours précisé que la bibliothèque est placée sous l'autorité du premier président de la Cour de cassation, mais il est également dit qu'elle est dotée d'un conservateur qui est nommé dans les conditions fixées par le décret portant statut particulier des conservateurs des bibliothèques publiques. C'est intéressant parce que ça montre ainsi que la Cour de cassation rentre dans une catégorie particulière qui n'est pas si nombreuse que ça. On compte en France un très grand nombre de bibliothèques publiques, régies notamment maintenant par les dispositions en la matière du Code du patrimoine. Mais en réalité, en dehors des bibliothèques universitaires, l'essentiel des bibliothèques publiques en France relève des collectivités territoriales et principalement des municipalités, des communes, intercommunalités. Il y a une poignée de bibliothèques qui sont généralement des bibliothèques de haut niveau, à commencer par la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque du Muséum, la Bibliothèque d'un certain nombre de grandes institutions. Et ces bibliothèques sont rattachées au ministère de l'Instruction publique et en fait aujourd'hui au ministère de l'Enseignement supérieur pour une raison fort simple, c'est qu'elles disposent de ce qu'on appelle un fonds patrimonial, c'est-à-dire un de ces fonds qu'il est convenu d'appeler selon les dispositions qui sont maintenant dans le Code de patrimoine, des dispositions qui font qu'elles disposent de fonds qui regroupent des documents, le terme n'est pas seulement limité aux livres, notamment les archives, les estampes, les documents divers et variés, voire les manuscrits, des documents qui sont anciens, rares ou précieux. Et c'est avec cet ensemble que l'on constitue un fonds patrimonial qui conduit à faire de la bibliothèque qui les détient une bibliothèque au statut particulier, dont en quelque sorte la tutelle scientifique est assumée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, et la Cour de cassation fait ainsi partie, à travers sa bibliothèque, de ce petit nombre d'institutions. Deux bibliothèques qui pourraient pourtant justifier de la même qualité y échappent, ce sont les bibliothèques de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est l'effet de la séparation des pouvoirs. On imagine mal que les assemblées parlementaires soient à travers leur bibliothèque, voire à travers le conservateur de leur bibliothèque, placées sous la tutelle d'un ministre, en l'espèce le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Troisième et dernière réflexion, puisqu'on a beaucoup évoqué dans la dernière partie de notre colloque le développement des instruments numériques, je crois que ce qui est intéressant dans notre colloque, c'est que c'est le titre. Le reste aussi, bien sûr, les travaux, les communications, bien entendu. Mais le titre est intéressant, l'intitulé, parce que en évoquant d'un côté la bibliothèque, son rôle en la matière, et de l'autre la documentation juridique, les auteurs du colloque, dont je fais modestement partie, ont bien entendu montré qu'il y avait une distinction entre les deux et que si la bibliothèque et la documentation, en l'espèce la documentation juridique, sont deux notions qui se recoupent, elles ne se recouvrent pas. La documentation peut aller au-delà, peut être recherchée dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs que la bibliothèque, même si celle-ci exerce un rôle important. Ce qui est quand même important dans cette affaire, c'est que jusqu'à une période finalement relativement récente, la documentation en matière juridique comme en autre matière se résumait très majoritairement et même exclusivement il y a encore une cinquantaine d'années à des documents papier, des livres, des revues, des périodiques, des manuscrits. Et par voie de conséquence, le rôle des bibliothèques, qu'elles aient le statut de bibliothèque au sens étroit du terme
ou qu'elles aient plus modestement, dans des services divers et variés, l'intitulé de service de documentation, occupait dans le mécanisme de la documentation une place clé. Ce n'est plus évidemment tout à fait le cas aujourd'hui, d'abord parce que, avec donc le développement de l'informatique, puis de la numérisation et des instruments numériques, d'abord parce que ces instruments sont utilisés non seulement par les bibliothèques, mais par d'autres vecteurs, français ou étrangers d'ailleurs, mais aussi parce que finalement ils modifient assez considérablement, le cas échéant, le mode de fonctionnement. Dans la bibliothèque traditionnelle, et pour avoir été 14 ans dans cette maison, je suis bien passé pour le dire, dans la bibliothèque traditionnelle, on allait entre guillemets à la pêche à partir des remarquables catalogues faits par les bibliothécaires, parce que ça c'était vraiment l'instrument clé dont on avait besoin, et puis on allait pêcher un peu à la ligne pour essayer de trouver des éléments. Je donne d'ailleurs un autre exemple. Madame Zientara a évoqué longuement le problème de l'open data et du choix qui a été fait de rendre disponible sur open data la totalité des décisions prises par la totalité des juridictions françaises. C'est très bien, simplement pour aller chercher ce qui est intéressant, ce qui est utile, ce qui est pertinent, là, ce n'est plus la pêche à la ligne, c'est le chalut en permanence. Et ce sont des instruments qui vont, d'une certaine manière, échapper à ce que nous avons tendance à considérer aujourd'hui encore comme la bibliothèque. Et on a rappelé tout à l'heure, je crois que c'est vous, Monsieur le Président, qu'on a rappelé l'origine du mot bibliothèque. Durablement, la bibliothèque, c'est un meuble, une pièce, un lieu où on trouve des livres et des documents assimilés, avec à la clé le fait qu'ils soient recollectés, protégés, entretenus, triés, bien présentés et surtout catalogués. On voit bien qu'aujourd'hui, la bibliothèque, ça va devenir, le cas échéant, un lieu où on va chercher ce qu'on appelle maintenant l'information, et c'est qui suppose que le rôle de la bibliothèque soit assez largement renouvelé dans cette perspective, surtout quand on est à la Cour de cassation. Si l'on veut que la recherche traditionnelle, faite d'intuition, de compréhension, de tâtonnement à travers un certain nombre d'instruments très nombreux, mais somme toute accessibles à un esprit normalement constitué, ne se transforme un peu trop radicalement si l'on substitue à ce qui est la recherche juridique la servitude à l'égard des algorithmes dont on connaît très souvent les limites. Et là, il y a certainement pour la bibliothèque de la Cour de cassation, mais pour la Cour de cassation elle-même, un défi qui se rapporte très directement à la façon dont la Cour de cassation exercera demain le rôle qui est le sien, le traitement des pourvois et autrement dit l'exercice du pouvoir de juger. Alors, dernier point, cette fois-ci pour conclure, dans la littérature, dans l'histoire, la fréquentation, sinon la possession d'une bibliothèque, demeure souvent l'un des signes de la sagesse. Bien, permettez-moi d'emprunter à quelqu'un qui alimenta beaucoup les bibliothèques, y compris jusqu'à notre époque, et qui en chérissait certainement beaucoup l'usage, autrement dit Cicéron, lequel, dans une lettre à Varron, s'exprime ainsi: « Si hortum in bibliotheca habet, derit nihil ». En bon français, cela veut dire, je me fie à la traduction des classiques Budet, « Si tu as un jardin dans ta bibliothèque, nous ne manquerons de rien ». Je vous remercie de votre attention.